Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être avec nous en direct pour parler alchimie avec Didier Steimer. Il a même prénom que moi, j'adore Didier. On va voir aussi peut-être le décodage. Quand deux Didier se rencontrent, de quoi peuvent-ils parler? Eh bien d'alchimie, c'est le cas ce soir. Bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir Didier. Bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis de m'avoir aussi envoyé ton livre, merveilleux livre que, je te l'ai dit juste avant de commencer l'émission, je n'ai pas eu le temps, je l'ai reçu que vendredi. Alors, je ne vais pas trouver d'excuses, hein, ça n'a rien à voir, mais en même temps, ça me permet de teaser, de vous expliquer ce qui va se passer. Il y a le studio actuel, celui que vous voyez ici, il y a le studio dans la boutique Curious Apprentice pour les personnes qui viennent, et depuis en fait tout ce week-end, j'ai travaillé pour créer un troisième studio qui va être orienté podcast. Hein, donc on va parler de tous les sujets, notamment d'alchimie aussi, entre autres. Ça va être des formats courts. Ça m'a pris énormément de temps. Mais j'ai hâte, justement, de lire ton livre, parce que, franchement, en sachant que Hermès est quand même mon patron, le messager, c'est aussi les médias qui transmettent. Donc, pour moi, rattaché à Mercure, hein, il me semble aussi, en astrologie, donc c'est En lui. parler, effectivement. Et c'était donc Hermès qui illustre cette couverture. Il faut savoir qu'il n'était pas trop aimé des autres dieux de l'Olympe, parce que c'était le chouchou de Zeus, et si quelqu'un y touchait, bah, Zeus, il se mettait en colère. Donc il avait tous les droits d'aller dans tous les royaumes pour mettre les messages, et c'était le seul qui avait ce droit-là. Donc Hermès, c'est quelqu'un de particulier à mon cœur, et c'est vrai que volontairement, je ne l'ai pas beaucoup étudié, juste pour le ressentir et le travailler. Alors, on parlait, Didier, justement, de l'alchimie qui n'a jamais été autant d'actualité que dans notre époque. Et pourtant, il y a encore de la réticence et de la résistance. Mais on va expliquer de manière ludique ce soir. Donc, c'est une auto-édition et on va justement en parler pour ceux qui veulent te rencontrer, en savoir plus sur toi. Il y a le Facebook, ton Facebook, hein, sur lequel on peut te contacter directement aussi. Il y a ta chaîne YouTube aussi, ça j'ignorais, mais voilà, où on te voit ici. Alors là, tu as sur cette vidéo qu'on anime, où tu as vaincu le mont Everest. Voilà, ici on te voit. Et sorti de ma grotte, comme Voilà, Hermès. sorti de ta grotte. Et puis après, vivre dans l'opulence ici, dans un canapé Chesterfield à 5000 euros. Donc ça, voilà, c'est. C'est ça. Et aussi ton Instagram. Voilà. Donc Merci. tu vois, alchimiste ne rime pas forcément avec quelque chose de vieux. Au contraire, les alchimistes, il va y en avoir de plus en plus. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qu'un alchimiste? C'est très large, hein, mais pour synthétiser, tu as la parole. Eh bien, souvent on connaît l'alchimie par le biais de ce fameux art de transmuter les métaux et notamment le plomb en or. Et donc il y a trois grandes voies que nous laisse la tradition, enfin, que nous désigne la tradition, à savoir la voie sèche et la voie humide, qui sont des voies dites opératives, et la voie sacrée qui va un peu plus nous parler de choses spirituelles, où on va prendre notre propre individualité comme creuset, comme source enfin, en tout cas comme travail, comme base de travail. Et l'alchimie, étymologiquement, on peut la comprendre comme alchémie, la chimie de Dieu. Et il y a une autre interprétation qui me plaît beaucoup, qui nous vient de l'Égypte et en fait, elle fait référence à El Kemia, qui veut en fait signifier élevé au-dessus de la terre noire. Et quand on sait aujourd'hui, on parlait de la chimie à l'instant, comme tu le disais, qui n'a jamais passé de mode, c'est que la question du sens et la question de transmuter les écueils de l'existence, les surmonter, permettre à l'individu de dépasser la souffrance et d'y trouver un sens véritable, ontologique, on peut dire aujourd'hui que c'est un peu ça le but de l'alchimie. Et dans cette voie, de la voie sacrée, on va parler un peu plus d'alchimie spirituelle, pour ainsi dire. C'était quelque chose qui datait, voilà, j'ai encore appris assez récemment, je t'avouerai, et c'était du temps de Zoïsme, qui était un philosophe grec du 5e siècle. Et en fait, déjà à l'époque, il y avait certains alchimistes qui ne voulaient absolument pas être confondus avec leurs collègues qui pratiquaient la magie des métaux, à savoir on va dire les métaux plutôt dits vulgaires entre guillemets, et qui avaient un but plus désintéressé, plus spirituel, et leur seul en fait intérêt, c'était de devenir conscient. Donc voilà pour te répondre succinctement, mon cher Didier.
Alors oui, c'est très très large. Hein. Là, tu as résumé. On pourrait en parler des heures, hein, finalement, sur les origines de l'alchimie, mais on va parler de tes origines à toi, parce que c'est une histoire d'amour. Moi, en tout cas, c'est le cas. C'est ma maîtresse, hein, l'alchimie. Hein. Il faut savoir que j'ai trompé ma femme avec l'alchimie. Le jour où j'ai rencontré Pascal Boucher, en tout bien tout honneur, je n'ai pas couché avec lui. C'est juste, je suis tombé amoureux de son cerveau, de son savoir, et je n'ai jamais autant bien compris le monde. En tout cas, par le prisme de l'alchimie. Et je leur en suis vraiment très, très reconnaissant à Pascal Boucher d'avoir eu cette manière passionnante. Il y en a plein d'autres, Nathalie Limoges aussi, entre autres, Pierre-Alexandre Nicolas, et ce soir, toi. Donc, ton histoire à toi d'amour, comment es-tu tombé, comment as-tu rencontré l'alchimie? Eh bien, ça a commencé il y a une douzaine d'années de ça, dans la mesure où j'avais une espèce d'obsession pour trouver ma place sur Terre. J'ai envie de dire un peu comme tout un chacun, on parle souvent de mission d'âme et de chemin de vie. Et il est vrai que bon, ça a commencé, on va dire, dans la genèse de tout ça, par des soins énergétiques. Et c'était la question évidemment prendre soin de mon prochain. Donc ça a commencé par le magnétisme et bien naturellement il y a plein de choses qui sont venues se greffer sur ça, l'astrologie notamment. Donc on se souvient aussi évidemment que les trois grands piliers de la tradition sont la magie, l'astrologie et l'alchimie. Et c'est intéressant parce que l'alchimie au départ j'avais un peu une révérence excessive vis-à-vis d'elle. Je me sentais pas légitime et puis en plus de ça faut dire clairement les choses en magie opérative je suis vraiment assez faiblard, c'est vraiment pas mon truc. Donc, quelque part, au fil de l'eau, par la pratique des soins énergétiques, par la thérapie, à force de voilà d'expérience, je me suis aperçu qu'on était effectivement dans un vécu au niveau de l'âme qui était assez substantiel, assez parlant, passionnant et qui n'en finissait jamais, un enseignement de sagesse vraiment impressionnant et incroyable. Et au fil de l'eau, voilà, chemin faisant, après 12 années. J'en suis venu à un moment à prendre conscience que naturellement il y a du magnétisme et de l'énergie en chaque chose, dans le regard, dans la voix, voilà dans les différents corps et c'est vrai que par la force des choses je me suis aperçu qu'il était aussi possible de guérir par les mots. Alors c'est un peu on va dire la dégradation du mythe de l'alchimie que la psychanalyse et la psychologie aujourd'hui, mais j'avais vraiment un amour pour les origines, pour la tradition ancestrale et cette possibilité de guérir par les mots. Et encore récemment, j'en discutais avec une lectrice qui me disait, ah bon, on peut guérir par les mots. Ce à quoi je lui rétorquais, mais oui, on a tous été blessés, on a tous blessé par les mots, on a tous connu ça. Donc s'il est possible de blesser par les mots, il est possible de guérir par les mots. Et aujourd'hui, l'alchimie spirituelle, c'est à mon sens une possibilité donnée à la conscience de voyager, de se transformer par la magie du verbe et des mots, pour ainsi dire. Donc, on peut défaire ce qui a été fait. Ça résume ça, déjà. Donc, ouais, c'est évident. Quand on voit le plan en or, alors je ne sais pas si dans l'autre sens ça marche aussi, mais j'ai l'impression que c'est pareil, c'est une allégorie à ce que l'on peut faire. Puis le verbe est créateur, donc les mots sont importants. Quand on connaît l'origine, après, à un moment donné, il y a le langage oiseau dans l'alchimie. Et puis là aussi, il y a cette. Alors ça fait brouiller les pistes. Hein. J'avoue, sincèrement, moi, d'un regard extérieur, j'ai commencé à percevoir l'idée que ce n'est pas tant l'hermétisme de l'alchimie qui m'a dérangé au début, mais c'est les genres d'alchimistes qu'il peut y avoir, ou des personnes qui vont être alchimistes opératifs, ou psychiques, ou autres. Et c'est là où, à un moment donné, on se dit. Ah oui, il y a quelque chose de pas clair. On a l'impression qu'il y a tout un univers. Alors, ma question, y a-t-il autant d'alchimie que d'alchimistes? C'est surtout qu'en fait, naturellement, il y a toujours le prisme de la subjectivité qui vient interférer. Et on sait aujourd'hui, de manière scientifique, que l'observateur va influencer sur le résultat de son expérience. Et c'est aussi une réalité spirituelle. Chaque personne, dans la subjectivité de son ego, va influencer sa vie, favorablement ou défavorablement. Donc de là à dire qu'il y a autant d'alchimie que d'alchimistes. Je franchirai pas ce pas-là parce que ça me fait penser un peu, tu sais, souvent on entend cette fameuse phrase, chacun sa vérité. Et de sorte qu'on s'imaginerait qu'il y a autant de vérités que d'habitants sur Terre.
Et je suis pas forcément partisan de cela. Il y a une réalité telle qu'elle est, et puis il y a un certain nombre conséquent de personnes, que ce soit des alchimistes ou non, qui sont en quête de cette réalité, de cette vérité, et qui y parviennent, on va dire graduellement. Après, de là à dire qu'on l'atteint un jour véritablement, qu'on puisse la revendiquer avec aussi l'ego et avec force, loin s'en faut. Mais c'est un voyage de conscience au final. Donc voilà, y a la quête de l'alchimie, c'est bien aussi déjà ça initialement, c'est de pouvoir confectionner la pierre philosophale. Et je pense que c'est surtout la question finalement d'avoir une expérience authentique. Je pense que les gens aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure du fait que l'alchimie n'a jamais passé de mode, c'est que probablement aussi les gens n'ont jamais été autant en questionnement, notamment depuis les dernières années que nous vivons. Et cette question du sens, elle n'a jamais et elle ne sera jamais démodée, je pense. Alors, j'ai l'impression, là aussi, il y a la vérité de chacun, tu as mis le doigt dessus tout à l'heure, et il y a la vérité manifeste. Alors, quand je dis manifeste, c'est la vérité objective, comme s'il y avait un arbitre absolument neutre qui n'est pas partisan, si on prend juste une dualité entre deux personnes, un peu comme une sorte de... Oui, d'un négociateur qui va être là pour un médiateur, voilà, qui va essayer de faire cela. Lui, il va voir la vérité manifeste de la problématique de chacun par rapport à une réalité. Alors, l'alchimie, pour moi, hein, en ce qui me concerne, permet d'avoir ce détachement, si tu veux. Voilà. Même si on est ancré, on peut, grâce à l'alchimie, voir cette vérité manifeste. Mais ça pose aussi son pendant, l'autre versant, l'autre côté de la pièce. C'est qu'avec l'alchimie, quand on s'attaque à l'alchimie, même si le terme n'est pas vraiment bien choisi et exact, parce qu'on ne s'attaque pas à l'alchimie, on étudie l'alchimie, on tombe amoureux de l'alchimie, je dis tout ça, mais c'est vrai, parce que je le dis vraiment, on ne peut pas tricher avec la chimie. Donc ça, il faut être prêt, à un moment donné, à être en mesure, quitte à ce que son propre monde doit s'effondrer totalement, être en mesure à tout remettre en cause si on étudie l'alchimie. Est-ce que ça, c'est une peur qui peut être un frein à celui qui pressent quelque part que dans l'alchimie, il va y avoir une vérité manifeste qui va tout remettre en cause sur son propre monde. Donc, se reconstruire une personnalité, c'est tuer l'ego, mourir à soi-même. Il y a vraiment quelque chose de compliqué. Est-ce que tu crois vraiment, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas tricher avec l'alchimie? C'est impossible. Tu posais la question de savoir est-ce qu'on s'attaque à l'alchimie. J'avais presque envie de te répondre, est-ce que c'est l'alchimie qui s'attaque à nous ou plutôt C'est vrai, c'est vrai. son mal. C'est-à-dire que si on Exact. s'intéresse à l'alchimie, il y a vraiment quelque chose qui s'attaque à nous dans Ouais. l'écueil de l'existence. C'est bien Exact. cette chose-là, c'est la souffrance. Et avec elle, on ne peut pas tricher. On peut remettre à plus tard. Mais il viendra un temps où on devra aller la rencontrer. J'ai pas dit forcément faire face ou l'affronter. Et c'est un sujet évidemment qui m'a toujours omnibulé en tant que thérapeute déjà, puisque c'est voilà à nouveau une école d'humanité assez incroyable où on va toujours au fil des expériences, des consultations grandir en conscience, pas forcément par procuration aussi, par empathie, par compassion. Et c'est vrai que cette souffrance-là, on l'a tous connue. Et elle va avoir une utilité, hein. C'est aussi pour ça que j'en ai fait un chapitre dans le livre, naturellement, pour reprendre le terme que Mircea Eliade avait inventé, à savoir la fonction initiatique de la souffrance. Puisque la souffrance, elle n'est pas là juste gratuitement pour nous gâcher la vie. Et la souffrance est là pour nous dispenser un message. Alors, tu parlais de langue des oiseaux tout à l'heure. La souffrance, on pourrait l'entendre comme le souffre-rance. En tout cas, suffisamment significatif pour nous bousculer dans notre quotidien. Parce que bien malheureusement, et ça c'est vraiment une réalité de l'être humain, il y a pas de jugement là-dedans, c'est normal. Mais quand tout va à peu près bien, dans les grandes lignes, les gens ne sont pas disposés à changer. Quand tout va plutôt bien ou suffisamment bien, on a envie de profiter, de se faire plaisir, de kiffer. Mais sûrement pas chercher du sens. Et c'est souvent un peu le problème. On a deux grands pôles dans la vie. Il y a le plaisir et il y a le sens. Mais ce pôle du sens, il va être considéré très souvent, la plupart du temps, par le biais de la souffrance, parce que c'est elle qui va nous permettre de nous remettre en question, qui va nous permettre de revenir à une position d'humilité. Et c'est une nécessité bien souvent, parce que l'aventure humaine, l'incarnation est
et quelque chose d'assez, souvent hasardeux, incertain, pas forcément évident. Et donc, ce sens de la vie, littéralement, on peut parler de direction, tu parlais de GPS tout à l'heure, on en est véritablement dans ces considérations-là, de savoir aujourd'hui dans quel sens je souhaite aller, ou en tout cas, je gagnerais à aller, ou pourrait-on rajouter, dans quel sens mon âme voudrait-elle que j'aille? Très bien, donc on va déjà aussi étudier, alors c'est pas pour rien qu'il y a ce caducée hein, que l'on voit avec ces deux serpents qui s'entrecroisent. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut déjà en parler de cela? On voit dans les pharmacies ont aussi cette symbolique-là de soins, hein, quelque part. Hein. Il y a aussi cette guérison par les mots dont tu parles, mais aussi cette séparation qui est propre à nous. On sépare la vie et la mort comme deux choses. Alors pour moi, c'est un peu comme les saloons, tu sais, des cow-boys, c'est une porte battant à double sens. Hein. La naissance est une porte à l'aller, puis la mort, on retourne de l'autre côté. Donc c'est un même sas. Donc c'est pour ça qu'aussi l'alchimie, les femmes ont cette alchimie lorsqu'elles accouchent. Il y a cette porte de passage qui est très importante. Et ce serpent, il y en a un qui gère la mort et l'autre la vie, qui s'entrecroisent et qui cohabitent. On parle notamment lorsqu'on digère, il y a une cassure en tout cas des molécules, des enzymes. Hein, donc c'est la mort pour ces aliments qui vont être totalement dissous en nous pour nourrir. Donc c'est la vie au service de la vie. Ce caducée de la paix, comment tu en parlerais? On pourrait aussi en parler pendant des heures, mais je pense que c'est un symbole quasiment omniprésent dans nos vies. Donc rien que ça prendrait déjà des années. On va pas prendre ces années-là, mais est-ce que tu peux nous en parler de ce caducée-là? Bien sûr, il me fait d'emblée penser à la nature double de la création. Alors après, pour juste quand même te répondre sur le caducée, il fait aussi beaucoup penser à Ida et Pingala, ces deux grands courants énergétiques de l'être, et aussi aux deux hémisphères du cerveau. Et quand je te disais, voilà, il y a une réalité double qui échappe la plupart du temps à nos sens. Parce que simplement c'est un peu le jeu qui va être assez paradoxal. Donc aujourd'hui en physique quantique par exemple, sans discussion aucune, on sait que la matière est constituée majoritairement de vide. Pourtant, si on se prend un mur dans la tronche, clairement on va pas réussir à intégrer le fait que ce soit du vide. Donc cette réalité paradoxale, elle va nous enseigner justement qu'il est question de trouver la partie double qui nous fait défaut. Eh bien souvent, dans la vie, on va se retrouver en situation de souffrance dans la mesure où on va seulement avoir une perception du pan de la réalité et celui-ci va nous enfermer et nous faire vivre quelque chose d'assez littéralement infernal et quelque chose de souffrant. Et la libération de cette souffrance, ça va être de sortir de cet état de conscience, de s'en libérer. C'est pour ça qu'on parlait d'Hermès en tant que psychopompe, capable de voyager entre les mondes, entre les plans. Et on en reparlera tout à l'heure, si tu veux, du mythe d'Hermès, qui est très instructif à ce sujet. Quelque part, cette nature double, c'est vraiment une part essentielle de l'existence, de l'existentialité, puisque dans la vie de tous les jours, on s'imagine qu'on est un genre, qu'on se prénomme un tel, qu'on a telle et telle profession, tel et tel statut social. Alors que dans la réalité plus subtile, on est tous faits de matière et d'énergie, on est tous féminins et masculins dans la mesure où les deux pôles, quand c'est toujours évidemment le pôle opposé, est toujours d'une manière plus subtile. Et puis on est aussi surtout fait, et ça c'est un aspect très important en alchimie spirituelle, on est tous faits de conscience et d'inconscient. Les deux. Et Les deux, mon l'un ne va capitaine. pas sans l'autre, hein. L'un ne va pas sans l'autre, mais bien souvent, le souci, c'est que comme notre conscience va se borner aux apparences, elle va se retrouver littéralement emprisonnée par elle. C'est par exemple le cas des personnes qui sont matérialistes et qui vont se dire, ben voilà, il n'y a rien d'autre que la réalité visible, alors que là aussi, ça a été démontré scientifiquement, la réalité visible ne représente que 4% du tout. Donc il y a cette nécessité d'aller au voyage, d'aller à la rencontre de ce qui échappe à notre regard profane. Et c'est justement un premier pan qui va tomber par rapport à ce cheminement vers l'alchimie spirituelle, de prendre conscience de ce qui. Alors on va aussi parler de Jung évidemment, hein, de Carl Gustav Jung qui a Bien sûr. remis au goût du jour l'alchimie spirituelle. Et pour reprendre sa formule habituelle, c'est de conscientiser les contenus inconscients. Oui.
Parce que, littéralement, prendre conscience, c'est ce que je dis à un moment dans le livre, c'est assimilé à une prise de pouvoir. Ce qui va dire, Ah oui. de manière induite, que si on est inconscient, si on ignore une chose, elle va avoir de l'emprise sur nous. Et ça, c'est la réalité de toute la, comment dire, de la vie, de l'ombre, des traumatismes que l'on vit, qui vont avoir des forces, des énergies de conditionnement vis-à-vis de nous. C'est Donc, terrible ce prendre que tu viens de dire, conscience. hein. C'est terrible parce que quelque part on se crée notre propre prison et notre illusion en s'attachant à des choses qui ne sont pas en fait au-delà. Enfin, si je remarque bien, si j'entends bien le message, tout ce qui n'est pas spirituel est provisoire, les affaires provisoires, l'éternité s'en fout totalement, royalement, parce que ça finit par disparaître. Déjà que c'est pas grand-chose. Donc finalement, en s'attachant à la matière, vraiment. On se construit une prison d'illusions, on s'enferme nous-mêmes. Donc on est Absolument. tour à tour les bourreaux et les victimes de ce qu'on a généré. C'est même pire que ça, j'ai envie de te répondre. C'est un petit passage de livre à nouveau aussi. C'était un grand moment d'une causerie qu'on avait avec un chaman après une prise d'ayahuasca et qui a dit une chose assez formidable et qui m'avait vraiment transpercé. C'est qu'en fait, il expliquait qu'une personne qui n'a pas, comment dire, de considération pour les essences plus subtiles et divines, qui est dans la négation et le déni de cela, il en est de facto désolidarisé et il n'en bénéficie pas. Et il disait littéralement que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, la mort et le diable est littéralement tout le temps assis à côté de lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui... Alors évidemment, ce qui compte, c'est d'avoir une âme généreuse, d'avoir un cœur bienveillant. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Sauf que, effectivement, si on se retrouve accaparé dans notre conscience par la réalité du monde et que finalement, bah, pour nous, la vie, c'est juste de la matière, c'est après la mort, il n'y a rien, etc., etc., on va se retrouver avec quelque chose qui va être très lourd à porter pour notre petite condition personnelle, le petit moi. C'est un peu ça aussi la vertu d'être de la spiritualité. On nous demande de porter, hein, c'est ce qui est un peu dit dans Le Petit Prince, on nous demande de porter le regard au-delà de la matière. Et c'est dans le subtil qu'on va trouver certaines vérités qui échappent au regard de chair. Et c'est pas pour rien qu'on a d'ailleurs deux yeux de chair, alors qu'il y a un seul œil unique pour la clairvoyance qui est le troisième œil. Oui, qui voit justement avec une stéréophonie, même à 360 degrés, beaucoup plus qu'avec nos deux yeux qui nous limitent dans le champ. Donc cette lecture alchimique, c'est vrai que tu parlais du Petit Prince, après avoir étudié la chimie, quand on a commencé à comprendre l'alchimie, on lit d'autres niveaux de lecture qui sont beaucoup plus profondes que ce qui est en apparence. Là aussi, hein, le subtil se cache, en tout cas dans la matière, dans les écrits réels, concrets, mais derrière, il faut aller décoder ce qui se passe. J'ai envie de te dire que mon ressenti à moi, et encore une fois, bien que j'ai feuilleté juste les toutes premières pages, et quand je dis, j'ai honte de le dire, mais à peine les 10 premières pages, juste ce que j'ai senti, en tout cas le ton de ce livre, c'est que c'est enfin, je dirais enfin, et croyez-moi, parce que sur curiousapprentice.com, qui est une librairie en tout cas ésotérique, et il y a des livres d'alchimie, etc., c'est le tout premier livre qui m'a donné ce sentiment d'une alchimie décomplexée. Ça a été voulu de démystifier ça et dire, bon, bah, arrêtez-vous de prendre la tête, l'alchimie, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si mystérieux. Aujourd'hui, le côté Hermès, hermétique, c'est fini l'hermétisme, hein, on a ouvert le pot, là. C'est ça ou pas? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a cette nécessité de sortir les secrets du temple. Hein. Aujourd'hui, enfin, de tout temps, ils ont toujours été bien gardés, de crainte qu'ils ne tombent dans de mauvaises mains, que des personnes mal intentionnées en fassent un mauvais usage. Mais aujourd'hui, dans l'époque actuelle que nous vivons, force est de constater que il y a urgence. Beaucoup de personnes sont en questionnement, plus que jamais. Et aujourd'hui, littéralement, j'en discutais récemment dans un salon bien-être avec un alchimiste qui me disait, aujourd'hui, les alchimistes ont été autorisés à sortir les secrets du temple. Et il est vrai que bien souvent, la préoccupation, le souci qu'on a, c'est que quand on va lire un livre pointu, spirituellement, quel qu'il soit, que ce soit voilà, un texte sacré, que ça soit un conte de fées aussi, qui sont souvent très alchimiques, tout ceci se sera codé. Tous ces textes et ces mots seront codés justement pour
empêcher, au premier venu de comprendre l'essentiel de la chose. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur, en sortant, en publiant ce livre. Alors, pour la petite histoire, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Ça passe évidemment par des pics et par des creux. Mais durant ces 10 années, je me suis vraiment évertué à beaucoup simplifier, on va dire, pour pas dire vulgariser, même si j'aime pas le terme, tout ce que j'avais pu, voilà, emmagasiner comme connaissance et comme savoir pendant toutes ces années-là. Ma préoccupation, c'était justement de ne discriminer personne. Ça aurait été pour moi véritablement un drame de publier le livre et de dire, bah, vous savez, ce livre-là, il s'adresse uniquement aux personnes spirituelles, par exemple. Alors que là, en fait, il s'adresse aussi aux personnes qui le sont moins, aux personnes. J'ai des hommes sceptiques et cartésiens qui le lisent, même. Voilà. Après, il suffit d'avoir une curiosité finalement suffisante et vertueuse. J'ai des jeunes et des moins jeunes. J'ai beaucoup de plaisir à dire que j'ai même des ados de 15-17 ans qui le lisent et qui n'aiment pas lire à la base. L'idée, c'était de vraiment, finalement, ne pas louper tout un tas de rencontres humaines, puisqu'évidemment, quand le livre il est trop long, quand les chapitres sont trop longs, quand le livre est compliqué à lire, il est difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, on va passer à côté de cette rencontre humaine, de cette rencontre dans la lecture. Et aujourd'hui, c'est ma plus grande joie de m'apercevoir que c'est un livre qui est très fluide et facile à lire, puisqu'il est constitué d'une centaine de Oui, chapitres. Et et en j'en fait, ces témoigne chapitres-là. parce que c'est vrai. C'est vrai, j'en témoigne. Je vais utiliser un terme, excuse-moi, peut-être profane pour ton livre, mais ce livre, au niveau de l'alchimie, du sujet qu'il traite, a un sex appeal juste irrésistible. Je vous le dis parce que c'est vrai. Parce que c'est un des rares livres, je le dis toujours, hein, je lis très peu de livres, mais je sais que celui-là, je vais me le bouffer en entier. Et pourtant, c'est un pavé, hein, il est conséquent, mais je sais que je vais me régaler. Voilà. Parce que non seulement le Merci sujet beaucoup. m'intéresse, mais la manière dont tu traites le sujet, moi, il y a eu quelque chose que tu l'as rendu très sexy. Je suis désolé de dire ça, parce que c'est pas un Bon, pas langage que je désolé, supporte. j'en suis très heureux de t'entendre dire. Donc, Oui, il y a eu un gros c'est... travail. Oui. Oui, C'était donc dix ans en fait. d'écriture, c'est Ouais. vraiment, il y a une partie de toi à l'intérieur, de tout ce que tu as alchimisé, sans faire de jeu de mots, mais de manière de dire, vous prenez pas la tête, quoi. En gros, hein, il faut le comprendre. Ben, vous prenez pas la tête, je me la suis prise pour vous, j'ai envie de te dire. C'est surtout de dire, ouais, effectivement, moi je me présente en général maintenant aujourd'hui comme un généraliste. Hein. J'ai beaucoup d'affection pour Luc Biget qui fait de même. Et la problématique du spécialiste, c'est qu'il va avoir une vision de la réalité qui est cloisonnée. Il va compartimenter en vertu du prisme analytique. Et la beauté du prisme analogique et du symbole, c'est de justement pouvoir tout connecter, de connecter toutes les sciences entre elles. Et Biget dit un truc assez passionnant au sujet de l'analogie. Il dit que c'est la meilleure chose, la meilleure manière d'une parler d'une chose dont on ignore tout. Donc c'est un peu finalement une école de sagesse, on va dire spontanée, intuitive, induite et implicite. Et j'oserais même rajouter finalement muette, puisque bah tu parlais la langue des oiseaux, alors on va pas forcément plus passer de temps dessus. Les gens connaissent déjà, à mon avis, suffisamment. Mais ce qui est assez passionnant de constater, c'est que il y a une autre langue qu'on pourrait, je sais pas, baptiser peut-être la langue d'Hermès, va savoir. Mais en tout cas, une langue qui est sourde, qui est muette plutôt, excusez-moi, et qui souvent en fait va demander à ce qu'on On pose notre conscience sur cette part nous faisant défaut quand on parlait de la réalité double. Et donc, sans plus tarder, si tu veux bien, on va juste un peu parler du mythe d'Hermès qui est très enseignant, très instructif à Ah nos oui, c'est yeux. vrai. Ouais, je veux Ouais. bien. Je veux bien. C'était ma Parce prochaine question. Tu voilà. anticipes, c'est parfait. Je t'en prie, merci à toi. Et alors à nouveau, hein, moi j'adore les personnes hyper pointues qui s'y connaissent en mythologie, comme Biget, comme d'autres. J'aime aussi voilà d'autres personnes qui sont très voilà très lucides et très érudites, hein, comme Daniel Chouchi également, etc. Je pourrais en citer d'autres, mais l'idée c'est de justement nous donner du grain à moudre. Et donc le mythe d'Hermès, pour en parler succinctement, Hermès est né dans une caverne sombre, dans une grotte sombre. Et le mythe nous raconte que quelques heures à peine après, il a dérobé une partie du troupeau, des bœufs du troupeau d'Apollon, qui est le dieu du soleil. Et d'emblée, là, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné, transpercé, c'est que il y a une grande dialectique qui s'annonce entre l'ombre et la lumière, entre la conscience et l'inconscient, ou l'ignorance,
Et ce méfait, il a réussi à le réaliser en inversant la trace des sabots des bœufs d'Apollon. Donc l'inversion, elle est vraiment essentielle à considérer dans la mesure où l'inversion concerne le mental. Le mental et le mal, pour pas le dire, hein, c'est quelque chose de machiavélique. L'inversion, l'ombre a toujours procédé de la sorte par mensonge, manipulation et illusion, en inversant la réalité qui nous est renvoyée. Et c'est ainsi qu'elle brouille les pistes. Et c'est ainsi que Hermès a brouillé les pistes. Hermès qui est ambivalent. On le désigne comme le messager des dieux, mais comme le dieu des valeurs, des voleurs. On le désigne capable de égarer les voyageurs ou de les guider, et il est également capable de cacher ou de révéler certaines choses, certains savoirs. Donc cette inversion, elle est caractéristique un peu aussi à nouveau de. On peut penser aussi à la lame du fou dans le tarot, hein, elle est ambivalente, ou le mythe du trickster, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas dans quel sens il va aller. C'est vraiment quelque chose d'assez passionnant parce qu'on peut encore faire le lien avec Mercure. Mercure qui en astrologie, alors pas forcément voilà le dieu romain, mais en astrologie, pour les astrologues contemporains, Mercure sera une planète qui est neutre. Alors ce qui est magnifique de conscientiser, c'est que pour les anciens, Mercure était une planète équilibrée. Faut bien comprendre la différence, hein. Donc en langue des oiseaux, l'équilibre, c'est l'équité qui rend libre. C'est-à-dire que ce pôle qu'on a trop chargé, entre guillemets, ce pan de la création qu'on a excessivement conscientisé, on nous demande à un moment de le délaisser, de s'en défaire, de sortir de cette subjectivité, et on en parlera tout à l'heure aussi du rôle fondamental de l'ego dans tout ça, puisqu'il procède par identification, pour pouvoir trouver justement celui qui fait, on va dire, défaut à notre réalisation. Wow, donc cet Hermès, il n'est pas blanc comme neige non plus, hein. Blanche-Neige et les sept nains, hein, pour ceux qui veulent en rire. Mais voilà. Donc effectivement, l'hermétisme, c'était parce qu'il devait délivrer des messages. Et à un moment donné, si on voulait intercepter, c'était pas possible. Il disait non, c'est destiné à quelqu'un, à cette personne, à ce domaine-là, à ce royaume-là, et pas à un autre. Ça vient de là, l'hermétisme, le fait de se fermer aux autres et que le message doit être destiné à quelqu'un en particulier, il vient de là. Il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, la nécessité de garder comme il faut les secrets du temple. Oui, c'est ça. Maintenant, l'hermétisme aujourd'hui, tu sais, le mot moderne pour désigner l'hermétisme, c'est l'holistique, hein, c'est la compréhension du grand tout, Oui, hein. c'est vrai, c'est Quand on vrai. regarde la table d'émeraude, qu'on nous dit ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, pour le miracle d'une seule chose, c'est en réalité, on cherche de comprendre l'infiniment petit à la lumière de l'infiniment grand et inversement. C'est pour ça qu'on parlait de l'analogie. Et là, simplement, sans avoir fait, je sais pas combien d'années d'études, d'avoir dû, je sais combien de livres, il suffit simplement de porter notre conscience sur certaines réalités. Quand tu regardes, Ouais. par exemple, la course des atomes et la course des astres, on s'aperçoit qu'elle est absolument quasiment identique. Oui, c'est vrai. Et cette résonance. Alors après, dans le livre, j'avais mis quelques illustrations pour un peu plus parler, évidemment, comme par exemple un arbre qui va ressembler à un poumon inversé, le fait qu'une empreinte digitale ressemble également aussi à l'intérieur d'un arbre. Qu'est-ce qu'il y avait encore aussi le cerneau de noix qui est identique au Un cerveau cerveau, avec ouais, ses tout à cycles fait. d'évolution. Tout à fait. Donc ces résonances fondamentales, elles sont parlantes et elles permettent de sortir du prisme analytique. Parce que le prisme analytique, par essence, va nous enfermer, pour reprendre encore une fois Bigée, l'analytique va nous permettre de répondre à la question du comment, alors que Oui. l'analogie va nous permettre de répondre au pourquoi. Donc la question du sens, elle sera toujours beaucoup mieux, on va dire, subvenue avec le prisme analogique et symbolique qu'avec le prisme analytique. Et ça, c'est vraiment sans surprise, puisque on ne peut pas espérer comprendre l'irrationnel avec un prisme rationnel. Alors, est-ce que tu m'autorises, je vais prouver ce soir à quel point le sex appeal de ce livre est juste extraordinaire, Vas-y, je t'en prie. à lire un extrait. Est-ce que tu m'autorises à le faire? Libre à toi, c'est ton émission, mon cher Didier. Voilà, allez, je prends vraiment au hasard, hein, vraiment au hasard. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, on appelle ça la Alors, sticomancie ou la bibliomancie, hein. C'est quoi le message du jour? c'est la page 99. Je vais vous lire le passage, je m'arrêterai quand je considérerai ça bon. On ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Car autrement, le principe naturel et universel des qualités serait d'une imposture, pardon, son nom.
et le libre arbitre de notre capacité de faire des choix une cruelle fabulation. Ce soldat de l'ombre le devient à force de s'entêter à prendre la mauvaise direction, celle de l'ego, inconscient des conséquences fâcheuses et irréversibles de ses actes à long terme, de son obstination à se perdre. Toute vie est signifiante à l'image de l'univers. Mais je n'ai jamais encore eu l'occasion de constater une telle résurrection, un pervers narcissique transmuté en un être fondamentalement généreux et bienveillant. Bien chanceux est celui ayant déjà assisté à un tel miracle. Sa nocivité peut éventuellement se tasser avec l'âge, tout au plus. Et je crains que celles et ceux qui pourraient maintenir le contraire ne soient toujours sous l'influence de l'illusion de sa manipulation. Il existe une multitude de nuances chez le pervers narcissique. Certains sont des plus subtils, raffinés, d'autres plus violents, moins cultivés. Certains sont notables, d'autres ouvriers. Ils peuvent même être thérapeutes. L'ombre peut présenter bien des visages. Elle fait partie de la diversité du monde et de l'univers. Qu'est-ce que la beauté véritable? Celle du paraître est bien différente de celle de l'être. Voilà, je m'arrêterai là, ça continue. J'ai vraiment envie de continuer là, on serait parti sur une soirée de lecture. Désolé pour les quelques accroches de mots parce que je n'ai pas eu mes lunettes, il y a eu con, en plus avec ma dyslexie. Mais rien que là, il y a un régal. On parle du pervers narcissique. J'ai pris la page 99. J'aurais voulu le faire avec beaucoup plus de classe, beaucoup plus de, avec beaucoup plus d'emphase. Mais là, c'est juste un régal. C'est juste un régal. On a l'impression de lire un roman où c'est JR qui va aller défoncer la tronche à Sue Ellen. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un parallèle à faire là, dans ce narcissique qui est là. Page 99 du livre, je vous assure, regarde, au hasard. Hein, et tous les passages sont comme ça. J'ai lu quelques passages juste en le recevant. C'est la seule chose que j'ai pu faire ce week-end par rapport au studio de podcast que je monte. Et rien que là, je me suis dit, waouh, là, ça va me régaler. Vous savez, c'est un peu comme quand on attend un film, un blockbuster comme Oppenheimer ou quoi que ce soit, et on se dit, je vais passer un bon moment. Ben là, c'est pareil. C'est une lecture qui va me ravir et qui va nourrir aussi l'esprit parce que je l'ai dit dans une émission, mais je vais le redire aujourd'hui. J'en profite à ceux qui sont connectés de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout aussi, de faire aussi la même chose qu'on va faire ensemble. Je vais vous montrer parce que, croyez-moi, si vous avez peur de vous faire une entorse à l'index, ça va être très très compliqué. Vous cliquez, vous abonnez, vous cliquez une seconde fois pour activer toutes les cloches. C'est bientôt Pâques et ça tombe bien. Donc vous abonnez, vous ne le regretterez pas parce que de la même manière, vous allez découvrir de belles petites perles, justement, que vous distille Didier Stemmer. Voilà. Alors, juste pour continuer là-dessus, on parlait qui est Hermès. On pourrait presque aller plus loin, mais on parle de l'ère du Verseau, astrologiquement. Hein. On dit qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Mais j'ai envie de dire que c'est l'ère du Verseau, mais d'Hermès aussi. On est dans la révolution de la communication, Internet, la téléphonie mobile. Ces 40 dernières années ont vu cette explosion-là, où finalement, je veux dire, sans Internet, on n'aurait jamais pu se rencontrer, Didier, certainement. Hein. Voilà, aujourd'hui, soit c'est possible. Est-ce que, en plus de l'ère du Verseau, on est dans l'ère d'Hermès? Est-ce que c'est le cas, d'après toi? Quand on parle de l'ère du Verseau, et on en parlait tout à l'heure avant l'émission, brièvement, on est aussi actuellement clairement dans l'ère, dans une ère prométhéenne. Et le mythe de Prométhée va justement nous inculquer que demain sera un monde meilleur. Et c'est une course technologique en avant. Sauf que l'homme augmenté ne sera pas au rendez-vous. Puisqu'on est aussi dans une période, tu parlais de l'ère du Verseau, de l'ère d'Hermès, il y a une autre, deux autres périodes qui, enfin, tout, on est vraiment au carrefour des chemins actuellement au niveau de l'humanité. On est en train de vivre une période assez incroyable, terrible aussi, mais historiquement assez formidable, dans la mesure où, sans vouloir tomber dans la grandiloquence, on est en train de vivre les prémices de l'apocalypse. L'apocalypse qui, étymologiquement, signifie révélation, tombée du voile. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde tel que nous l'avons toujours connu. Et c'est très intéressant de faire le lien
avec la tradition hindoue qui nous parle du Kali Yuga. Le Kali Yuga qui est l'âge fer, l'âge sombre, la période de l'humanité où l'être humain n'a jamais été aussi éloigné de Dieu et où les valeurs sont inversées. On en a parlé tout à l'heure de l'inversion, hein, où les rois seront pris pour des voleurs et les voleurs pour des rois, où les vertus seront pris pour des vices et les vices pour des vertus. C'est assez saisissant de constater, quand on suit actuellement, voilà, tout ce qui se passe au niveau collectif, qu'on nage en plein dedans. Et pour répondre sur l'histoire de l'ère du Verseau, c'est vrai que des astrologues rigoureux te diront que oui, mais bon, ça commence que techniquement en 2150. Sauf que quand on regarde autour de nous, on est dans cette époque effectivement de la communication exaltée, de la technologie, et on se retrouve avec des vraies grandes questions éthiques. Est-ce que le fait de d'avoir une puce dans le cerveau qui va consigner toutes nos pensées, est-ce que le fait de consigner tous les messages qu'on a eus sur les réseaux, et une fois à notre mort, qu'ils puissent reconstituer notre une partie de nous pour que nos proches puissent continuer à échanger avec nous, est-ce que c'est quelque chose de critiquable? Voilà, c'est un peu l'homme qui essaie de devenir, de remplacer Dieu. Enfin, on est un peu dans une recherche d'immortalité, et c'est vraiment quelque chose d'assez troublant, parce que oui, il y a cette nécessité de il y a la question du sens qui va vraiment s'imposer à nous. Internet nous permet, oui, c'est vrai, de grandes facilités. Moi, j'ai pour habitude de dire que si j'avais vécu à une autre époque où Internet n'existait pas, j'aurais sûrement pas le même cheminement spirituel, parce que j'ai jamais eu le profil d'Ara Bibliothèque. C'est pas parce que j'ai écrit un livre, faut croire que je passe Oui, mes journées à lire. t'es pas professeur de lettres pour autant, voilà, on comprend bien. Non, voilà, c'est ça. Et c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, il y a cette immédiateté de dire, bah tiens, on parlait de la curiosité saine tout à l'heure, hein, l'essentiel, c'est d'avoir ça. Donc aujourd'hui, quand tu as un questionnement, tu vas sur Internet, tu regardes, tu tapes des occurrences qui sont Oui. pertinentes et tu en ressors grandi. Sauf qu'après, Exact. évidemment, si tu te souviens, en années 90, quand Internet est arrivé, on nous a dit que ça serait une révolution pour la culture. Alors oui, il y a une partie de tout ça où ça Oui. nous a permis, nous. Mais il y a eu tout un tas d'aboutissements derrière. Voilà, c'est Et il ça y a une aussi. analogie très parlante Le aussi, pire, c'est que. l'apocalypse, tu dis, c'est le moment des révélations, et ce changement, cette fin d'un monde, c'est le pire côtoie le meilleur aussi. Voilà, cette ambivalence-là, hein, tout comme à l'image Et d'Hermès, l'ombre va hein. rentrer en lumière. Et l'ombre va rentrer en lumière, tu vois. Et ça, c'est Waouh. vraiment quelque chose qui est important parce que, à titre personnel, tu vois, si par exemple, maintenant, tu as des personnes autour de toi qui, on va avoir une bienveillance de façade, mais qu'en coulisses, il y a des intentions qui sont peu louables, en général, tu gagnes à les conscientiser, tu gagnes à ce que le masque tombe. Et aujourd'hui, je fais beaucoup l'analogie avec une dépression collective. Hein. C'est-à-dire que quand une dépression nous arrive à titre individuel, il n'y a pas grand-chose à discuter. C'est l'âme qui tape du poing sur la table en disant on a trop tiré dans le mauvais sens par ego, par confort, par illusion. Donc l'âme, elle va, alors que ce soit une dépression, un burn-out, qu'importe, elle va à un moment donné signifier l'imminence et l'urgence de changer son fusil d'épaule. Eh bien aujourd'hui, au niveau collectif, il faut se rendre à l'évidence, c'est exactement la même situation. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, hein, dans les grandes lignes des décideurs qui ont toujours pris et le capital, hein, je veux dire, c'est le capital qui, alors évidemment, l'argent n'est pas bon ou mauvais en soi, tout dépend ce que l'on fait, et c'est valable pour toute chose, mais le capital a tellement été mal employé qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où il y a des choses qui sont dites publiquement et des réalités qui sont, on va dire, en soubassement. Là, je fais un petit clin d'œil aussi à ton invité d'hier qui disait on s'en fout exactement de savoir quel était le détail intime. Je suis pas forcément d'accord parce que si maintenant ça va présager d'un vrai déséquilibre psychique violent, profond, dangereux, je pense que c'est important de le savoir. Donc après. Si moi je suis thérapeute et puis qu'en marge de ça, je fais des trucs de vrais cinglés dans ma sphère privée, je pense que ça peut être problématique pour déjà mon activité, on va dire, hein, pour la bienveillance que j'essaie de déployer en apparence, puisque dans les coulisses, je trame des trucs pas cool. Donc voilà, il y a une question à un moment de sincérité. Je veux dire, je pense que la sincérité, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment en principe. L'idée, c'est beaucoup. La vie est beaucoup plus simple, hein, quand on n'a pas besoin de mentir, qu'on n'a pas besoin de déformer la réalité. Donc, tout ça, voilà, j'en parlais parce que je disais que, on est dans une ère où l'ombre va rentrer en lumière. Et quand on parlait de l'apocalypse au sens de révélation, on est aux prémices de certaines révélations. Alors c'est pareil, hein, j'ai pas envie non plus
de m'estampiller quoi que ce soit, hein. Moi, je suis un observateur, je suis curieux, je m'intéresse à plein de choses. Et puis, voilà, des fois, quand on a un côté un peu lucide, enfin rationnel, mais aussi dans la lucidité, dans le discernement, ça nous permet de conscientiser certaines choses. Alors après, évidemment, il n'est pas question de se rendre malade en regardant toute la journée l'actualité qui est de plus en plus anxiogène. C'est simplement, en fait, de savoir où on va et pourquoi on y va. Et aujourd'hui, il y a un renouveau qui est attendu. C'est tout à fait normal, c'est naturel. Je veux dire, on a mis trop, justement, aujourd'hui, on est quand même dans une société contemporaine occidentale. On a oublié l'héritage des anciens au niveau spirituel. On en revient sur l'essentialité de l'alchimie. Donc, puisqu'on a tellement délaissé ces bases spirituelles, il est normal qu'on soit sujet à une forme de dépression collective, puisque la question du sens va venir s'imposer à nous de manière assez impérieuse. On peut pas y échapper, hein. Voilà, c'est un passage obligatoire, qu'on l'ait choisi ou pas. De toute façon, ça nous est imposé. D'ailleurs, certains disent que, au-delà de l'explosion démographique, si on est né à cette époque et s'il y a autant de monde aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il paraît-il que cette incarnation en vaut beaucoup par rapport aux révélations. Il y en a beaucoup qui veulent assister au spectacle et être acteurs aussi de ce passage-là, en sachant que les révélations, c'est toujours pareil, même si ça dure 50 ans ou un siècle de révélations, à l'échelle de l'humanité, c'est un battement de cils, hein, c'est que dalle, hein. Donc, il ne faut pas s'attendre à une révélation demain, hein. Les extraterrestres ne vont pas venir en disant c'était Je nous. veux bien quand même poser ma petite pièce, hein. Tu sais, on est souvent dans des cycles de 7 ans, hein. C'est vrai qu'on Ouais, nous en parle c'est vrai. souvent. Tu te souviens, il y avait ce fameux débat des Mayas qui avaient, à la Oui, fin de leur calendrier, trouvé exact. l'an 2000. Et bon, apparemment, ce serait plutôt 2020, hein, si on regarde juste factuellement ce qui se passe, Ouais, hein. Donc ouais, ouais. après, souvent, on nous dit oui, on n'en verra pas la fin, ça va durer encore des années, mais je sais plus quel grand astrologue historique avait situé une très belle... De très belles perspectives astrologiques en 2016 environ, hein, 2016-2017. C'est aussi ce que Patrick Gianni a pu relater à un moment donné. Donc en fait, moi je suis de ceux qui pensent que ça va en 2024, ça va encore bien changer de braquet, qu'on va en encore avoir pour 2 années à bien essorer, et Ouais. peut-être avec un peu d'espoir en 2027, on verra quelque chose un peu plus, voilà, je vais pas dire confort, hein, parce que là Oui. aussi, hein, c'est le parcours spirituel, c'est pas pour rien que j'en ai fait un chapitre dans le livre. À titre individuel, souvent les gens, tu sais, et c'est vrai qu'on va en parler si tu veux bien à un moment donné aussi de la nécessité bah, le rôle, vraiment la pierre angulaire qui est l'ego et l'inconscient, mais c'est vraiment deux choses vraiment essentielles à évoquer ce soir, je pense, si on veut parler d'alchimie spirituelle. Et c'est vrai que souvent, il y a un positionnement égotique face aux épreuves et à la souffrance, tu vois, à titre individuel, hein, on Oui, peut aussi oui, le oui. décliner en collectif, pas de problème, hein, mais c'est vrai qu'à titre individuel, moi, c'est ce que je constate très souvent en consultation, et c'est la base même, c'est le sel de l'existence, c'est qu'on va être challengé dans certains domaines. Oui. Et donc, les personnes, dans leur vie, là où ça va plus ou moins bien, bon, bah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté à accepter la réalité, sauf que il y aura toujours au moins un domaine, voire plusieurs, pour ceux qui sont vraiment gâtés, où on va être ballotté vivement. Et là, naturellement, bah, les gens vont dire, ah ben ça, c'est pas normal, ça, je suis pas d'accord, je trouve ça injuste, je suis pas responsable de ça. Et là, ça équivaut littéralement à une perte de souveraineté, parce qu'on va Totalement. rester divisé au final, hein. On dit bien que le mal divise pour mieux régner, hein. Donc en fait, si on reste divisé, c'est que finalement, on est peut-être passé à côté de quelque chose, hein. Et ce sont un peu les parts en souffrance de nous-mêmes, hein, qui sont dans notre inconscient, qui sont un peu même en enfer, hein. C'est un peu une vue de l'esprit, mais c'est un peu ça, hein. Donc on a tous des bourreaux, on a tous des gens qui nous ont fait les pires misères, mais c'est avec ces personnes-là où il y a le plus de matière. D'ailleurs, c'est ce qui est dit en alchimie, hein. Oui, La c'est matière primaire, vrai. Ils mettent le doigt là où ça c'est un fait peu mal, mais c'est pas pour nos rien. emmerdes et nos ennuis, c'est un peu l'ingrédient essentiel de notre gâteau spirituel, hein. Ça veut dire que sans difficulté, sans souffrance, il n'y a pas d'élévation spirituelle, hein. Non, On dit c'est bien clair, en c'est sport et en clair. foot, on dit bien on n'échange pas une équipe qui gagne. Quand tout va bien, on kiffe, on se fait plaisir, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de Non. sens véritable. Alors que dans la souffrance, on va travailler à une rectitude, à une Exact. amélioration. On va être sommé de travailler sur soi. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Il est très rare d'avoir quelqu'un qui a eu une grave maladie, qui s'en est sorti et qui n'en a pas grandi, hein. En général, ça change une personne. Donc, tu vois bien que c'est dans la souffrance qu'on avance. Alors, c'est vrai, tu as raison de souligner cet aspect-là et de nous réconcilier. Je pense que tu en parles dans ce livre. J'ai l'intuition que tu en parles justement de ce sens-là. Et ça va répondre à beaucoup de personnes qui, régulièrement sur le chat, ne cessent de dire, est-ce qu'on est obligé de souffrir pour comprendre les choses? Certains pensent
de manière illusoire qu'on peut comprendre par la sagesse, dans la conférence, dans la compassion, dans la tempérance. Certaines choses, oui, mais majoritairement, ça passe par la souffrance. Parce que on a justement, on vient apprendre la sagesse. On ne l'a pas, sinon on ne s'incarnerait pas. Enfin, pas de cette manière-là, en tout cas. Tu Et puis ressens. c'est une expérience, excuse-moi de te couper, Non, c'est je une t'en prie. expérience qui reste incomplète. Tu vois, Tout à fait. si on observe par exemple le symbole du yin et du yang, on se dit que bah voilà, on va apprendre de manière douce, agréable, si on regarde la partie blanche, alors qu'en fait, bah là c'est aussi le nigredo des alchimistes. On va apprendre en étant victime une incarnation, et l'incarnation d'avant ou d'après, on sera bourreau, et c'est ça qui fait l'expérience totale, complète, exhaustive. Et c'est pareil pour les genres, c'est pareil pour la condition, qu'elle soit, voilà, sociale ou que sais-je. Donc, il y a vraiment une nécessité d'avoir à l'esprit que ce qu'on vit actuellement, c'est quelque chose qui est présent dans notre vie, mais qui a évidemment des résonances avec le passé, qui fait fondamentalement sens. Et pourquoi j'en parlais tout à l'heure du positionnement de l'ego, c'est que la plupart du temps, très souvent, au départ, en tout cas, quand on est dans des difficultés, on va se dire, ouais, mais ça, c'est pas juste, ça, je le mérite pas. Et donc, en fait, bah, cette blessure d'injustice, elle est très caractéristique. Et tant qu'on va trouver une chose injuste, on va la rejeter. Alors, je peux prendre un prisme plus large et plus collectif pour que ça parle au plus grand nombre. Bien souvent, tu sais, quand les personnes sont excessivement empathiques, parce qu'on peut être excessivement empathique, on peut être trop dans le mental, qu'on peut être trop dans le cœur, on pourra en parler plus tard. Mais l'idée, c'est que, effectivement, quand on observe les injustices du monde, qu'on voit des enfants crever de faim, qu'on voit qu'il y a toujours des guerres et des maladies, les personnes vont se retrouver en souffrance en conséquence. Et c'est dommage parce que effectivement, y a un débordement du cœur qui va diminuer tout le monde. Ça va ne pas les aider elles-mêmes, ni l'objet de leur réflexion, on va dire. Alors qu'en fin de compte, les personnes qui sont dans ces situations-là continuent de suivre le chemin de leur karma. Un enfant qui meurt de faim, il est autant sur son karma qu'un Européen dépressif parce qu'il a perdu ses valeurs spirituelles et que son frigo est plein. Alors c'est un peu violent ce que je donne comme vision, mais la justesse du karma, elle est valable pour tous. Et à Oui, partir c'est du vrai. moment... Ça c'est très difficile à entendre. Hein. Ce que tu viens de dire, c'est très, très. Le public, pour moi, enfin, tu es trop en avance, je dirais. Parce que tu es précurseur. Bah, je ne veux pas le dire de manière trop brutale, hein, mais quand tu regardes maintenant, rappelle-toi, à l'époque, par exemple, du Moyen Âge, Oui. il y avait des choses terribles qui s'y Horrible. Mais c'est passaient. vrai. Les personnes C'est qui vrai. n'étaient pas Et ils avaient pourtant dans une choisi de condition vivre ça. suffisante. Hein. Ils l'avaient choisi. Tu vois, effectivement, et on peut en passer sur toutes les latitudes. Rappelle-toi, bah, pareillement, les deux grandes guerres mondiales qu'on a vécues, les gens qui se sont retrouvés sur le front. Bah, je veux dire, Alors, à c'est ce moment-là, terrible. on peut aussi... On va prendre, Didier, un exemple concret que j'ai souvent vu avec des femmes qui, manifestement, ont été abusées par leur propre père ou beau-père. C'était le cas. Je sais que c'est grave, hein, ce que je dis, mais simplement, des personnes, lorsqu'il y a eu ce discours, t'es pas le premier à en parler et touché de cette manière-là. Et certaines personnes disaient, sans dire qu'elles étaient abusées, mais on sentait bien qu'il y avait cet abus-là, hein, sans le nommer, mais disait franchement, est-ce que mon âme a vraiment été suffisamment maso pour choisir d'être abusée par son père? Je trouve pas ça juste, etc. C'est Terrible. très difficile à entendre. Une mère C'est qui terrible. perd, voilà, des parents qui perdent leur enfant, c'est ce qu'il y a de plus douloureux, entre autres, hein, comme un drame, et leur dire non, non, mais vous l'avez choisi, c'est un peu comme aller voir quelqu'un au Centrafrique qui crève de faim. Tu vois, ventre vide n'a point d'oreille pour entendre, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Bon, Donc sûr. là, aujourd'hui, se réconcilier avec ça, je veux bien croire qu'il faut lire tranquillement le livre pour alchimiser cette idée-là sur plusieurs pages, relire et relire en profondeur pour être capable de l'intégrer. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec cette mécanique céleste, hein, on va dire. Mais on ne peut nier l'évidence. C'est ça qui est important. Alors, dire qu'on l'a choisi, là aussi, je l'entends comme toi, hein, des fois dans la bouche de certains thérapeutes, pour moi, c'est à proscrire. On n'a pas le Ouais. droit de dire cette phrase-là, hein, c'est quelque Ouais. chose de beaucoup trop violent. C'est vrai. Le premier positionnement, de toute manière, déjà en consultation, c'est d'accueillir la souffrance de l'autre, d'écouter raconter son histoire. Alors après, voilà, sans surprise, hein, parce que tu soulèves un sujet qui est délicat, j'en ai évidemment souvent en consultation. Des personnes qui ont été abusées, des incestes, et j'ai aussi des personnes qui ont été abusées en inceste et qui l'ont surmonté.
pour moi, ce sont les vrais héros et les vraies héroïnes, parce qu'elles ont fait cette expérience de vie, elles en sont revenues grandies, comme tu disais tout à l'heure. Alors après, voilà, j'ai entendu la même chose de personnes, une femme, je me souviens, qui a eu un cancer du sein, une autre qui m'a dit, je remercie la souffrance encore assez récemment. Donc il y a tout un, voilà, toute une diversité d'expériences difficiles, et c'est vrai que ce que tu dis là est intéressant. Je veux dire, quelle est la, dans l'absolu, l'expérience la plus délicate, à savoir avoir été abusé par un parent ou ne pas survivre à son enfant. Je pense que c'est peut-être probablement les deux pires expériences au niveau de l'incarnation. Maintenant, à nouveau, c'est toujours voilà, il y a des gens qui vont développer des pathologies lourdes et qui vont juste en fait s'en faire pour les proches et qui pour elles en fait ne seront même pas plus touchées que ça. Donc après, voilà, il y a tout un une nécessité déjà de distancier ce qui nous afflige. Et ça, c'est vrai que, voilà, au fur et à mesure, quand on considère l'ego, la première particularité qu'il a, c'est qu'il s'identifie, il s'identifie à différentes choses, à ce qui, et surtout à ce qui va le faire souffrir, à ce qui est négatif. Et c'est ainsi que l'ombre et le mal arrivent à avoir une emprise et une influence sur lui, hein. Alors que bon, c'est bien une réalité, hein, enseignée par le bouddhisme, hein, que nous ne sommes pas ces pensées, nous ne sommes pas ces émotions, nous ne sommes pas ce corps. Donc Oui, la c'est problématique vrai. de l'ego, C'est vrai. c'est qu'il va en faire un cas personnel, hein, pour reprendre un des accords toltèques. Hein. Et c'est vrai que tout ce processus de l'ego qu'on connaît dans l'incarnation, la constitution du corps mental, le fait de discriminer, de se différencier, parce que l'ego c'est ça, c'est l'interface, le prisme par lequel on va se différencier du reste du monde. Et donc, ce travail de différenciation, il est propre au mental, à la base. Hein. Je veux dire, c'est ça, là, tu parlais de tout à l'heure, on parle des fois de séparer le bon grain de l'ivraie, le subtil de l'épée, tu parlais C'est des ça. aliments qui étaient désagrégés, cette fonction intestinale, hein, donc là aussi, merci Vigée, et intestus, les intestins, c'est dans la tête, hein, déjà que ça commence, hein. On est sur Exact. l'accord psychosomatique, évidemment, le cerveau émotionnel, etc. Donc cette nécessité, en fait, cette habitude, cette mauvaise habitude égotique de s'identifier, elle est déjà à prendre en ligne de compte pour partir à rebours. Puisque l'incarnation nous a permis de constituer l'ego, si on souhaite retrouver un état, on va dire, plus bienséant, plus sacré, eh bien, il est question de défaire ce qui a été fait, comme tu le disais tout à l'heure, à juste titre, et défaire ce qui a été fait, ben, en identifiant, en se désidentifiant. Et souvent, j'aime beaucoup parler de cette philosophe juive qui était Simone Weil, avec un W, qui disait que la porte vers le sacré passe par l'impersonnel. Alors, effectivement, on va parler de quelque chose d'assez spécial. Je vais poser un cadre, hein, si tu veux bien, Didier. Avec Alors, plaisir. juste avant, je vais, vous allez vous faire plaisir. Après l'émission, The Christians, voilà, Christians avec un S, les Christians en fait. Et vous tapez aussi le titre. C'est un groupe. Vous tapez Words, le mot mais au pluriel, d'accord? Donc les mots au pluriel, The Christians. Words, c'est un vieux tube hein, qui passait à l'époque quand il y avait encore Marc Toesca au Top 50 qui présentait. Et c'était une chanson irlandaise avec une voix très douce. Et tu ressembles au chanteur, justement. Donc je laisse le public découvrir The Christians Words. Et vous verrez, le chanteur ressemble terriblement à Didier Steiner ce soir. Voilà. Et en même temps, ça va vous. Comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Vous allez entendre une très très belle musique dont vous allez vous souvenir qui a été un tube planétaire. Voilà, donc je vous dis juste ça au passage. Déjà, c'est une auto-édition, on le précise encore à nouveau. Comment faire pour se procurer ce livre avant de. Le cadre que je posais tout à l'heure sur la question que j'ai envie de poser par rapport à l'ego. On va parler de l'ego. Comment on l'achète? Essentiellement, alors comme c'est l'auto-édition, mis à part les personnes qui habitent en Alsace et plus particulièrement le Bas-Rhin où il y a certains commerçants qui ont accepté de le jouer le jeu, mais sinon effectivement c'est par correspondance. Hein, donc vous vous rendez D'accord. sur Donc mon site. sur ton Facebook? Idéalement le site, si les gens vont sur soins au pluriel Alors. distance.com, il est indiqué dans le Ah descriptif oui. Ah de bah oui. l'édition. Excuse-moi, je l'ai pas présenté. Il y aura un Donc. petit onglet commander le livre, à la commande du livre, il y a juste à cliquer dessus. Et à Alors. partir de là, ben, voilà, juste là, la partie bleue, ouais, là. Ouais, ça, c'est les points de vente physiques. On met juste en arrière. Alors. Hop. Ou Ah, alors, commander les messagerie. livres. Ouais, Ah oui, tout à commande fait. du livre en bleu. C'est là. Voilà. Voilà. Et d'accord, Et là, donc là, tu as un petit. Voilà.
OK. Il y a deux boutons de règlement différents. Il y a la quatrième de couverture. En bas, il y a le sommaire. Il y a la centaine de petits chapitres. Il y a des avis, des opinions, évidemment, histoire de voir un peu où on va. Ouais. Et puis C'est voilà. génial. Et comme ça, bah, Donc écoute, tout le monde peut on fait avec l'avoir les moyens du bord, hein. si on va par là. Alors, attends, écoute, je vais le mettre tout de suite Super. dans le. Alors attends, parce que moi j'ai un bug ici. Je vais le mettre là. Hop, j'envoie. Comme ça, vous pouvez tout de suite le commander pour ceux, parce que je suis sûr que vous brûlez d'impatience, tout comme moi. Alors moi, c'est encore pire que vous, parce que vous avez l'excuse de ne pas l'avoir. Moi, je l'ai et je ne pourrai pas le lire avant ce vendredi. C'est pour vous dire. Parce que je n'arrête pas, vraiment. Et si je veux être clair dans ma santé mentale, je ne peux pas le faire avant. Voilà, c'est pas possible actuellement. Alors, après, vous avez vu donc comment. Je suis désolé, je l'ai pas mis. Je demande à Christine de rajouter le site internet soinsadistance.com, c'est ça, hein, dans la C'est ça. description. Tous les liens, que ce Et soit lié, hein, l'Instagram, le lié. Facebook, lié. OK, voilà. Donc, Lié. tout est dans la description pour ceux qui veulent se procurer le livre. Et franchement, si y a un anniversaire à faire ou quoi, c'est un super cadeau. Sans déconner, parce que moi, ce livre, j'aurais aimé qu'on me l'offre. C'est un des rares livres, parce que je ne suis pas très livre, mais celui-ci, j'aurais voulu qu'on me l'offre. Et pour mon Je t'avouerais anniversaire. que j'aurais aimé qu'on me l'offre le découvrir il y a 10 ans, parce que j'ai commencé mon parcours spirituel il y a 12 ans, ça m'aurait fait gagner pas mal d'années, je pense. J'imagine. C'est la question de conclusion. Voilà, il y a 12 ans, comment vois-tu les autres aujourd'hui depuis? Voilà. Mais ça, on gardera pour la fin. Alors, le modèle qu'il y a, je vais donner un modèle terrible qui va vous faire souffrir. On va partir du principe. Évidemment, c'est un jeu. Hein, c'est une expérience de l'esprit. On va imaginer que l'âme n'existe pas. L'âme n'existe pas, ce qui veut dire que lorsqu'on décède, nous sommes en fait juste de la pure information et on nourrit un flot d'informations qui n'est autre que le grand patron qui justement a décidé de son immense pouvoir de claquer des doigts, de créer, enfin s'il a des doigts, je ne sais pas, mais de créer cet univers, de créer ce Big Bang, si le Big Bang a été réel, je ne sais pas. À l'état actuel des choses, on va juste imaginer que cet être omniscient, omnipotent, a créé cet univers. Mais voulait vivre de multiples vies, et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de se morceler, de vivre et de retourner. Donc on perd l'individualité. Et ça, il n'y a rien de plus terrible que se dire que son ego, son individualité va être absorbée par un flux commun dans lequel on va se diluer. Ça, c'est terrible. Voilà, c'est là où je peux vous dire que vous allez souffrir, parce qu'il faut se mettre, et faites-le sincèrement dans le chat, faites cet exercice d'imaginer que vous n'êtes que de l'information pure lorsque vous disparaissez. C'est-à-dire que toutes les médiumnités, tous les messages, tout ça, c'est du flan, ça n'existe pas, donc il n'y aurait pas de médium dans ce monde-là. Hein? Voilà, on est dans ce cadre-là. Donc, dans Alors, ce cadre. si je peux me permettre, c'est une Alors, vérité un peu l'ego. relative, hein, tu sais, c'est ce qui est dit, et on verra, on va aller sur l'ego, excuse-moi, mais Oui, bien sûr. dans le Timaïon, il est dit que toute vérité est une demi-vérité. Et Ah. dans le livre, je dis essentiellement que chaque élément d'ici-bas est constitué d'ombre et de lumière. Donc c'est intéressant de chaque affirmation va avoir une part de vérité, une part de mensonge. Et dans ce que Oui. tu dis là, c'est intéressant parce que on peut considérer, pour le coup, les corps dits périssables et les corps impérissables. Tout à Et fait. encore récemment, il y avait un youtubeur qui avait posé la question, suite à une autre émission, qui avait dit que bon, l'approche alchimique lui avait plu, si ce n'est qu'une âme est pure lumière et qu'elle n'a pas besoin d'être guérie. Et le fait qu'elle n'ait pas besoin d'être guérie, elle soulevait vraiment une solution assez, une interrogation assez importante, puisqu'on peut comprendre l'âme de deux manières. Et cette personne-là, manifestement, et je peux le comprendre, envisager l'âme comme le pendant féminin de l'esprit divin, on va dire incorruptible et indestructible. C'est-à-dire que après chaque incarnation, on va avoir un certain nombre de corps qui vont se déliter, qui vont se désagréger, et puis il restera un réceptacle qui, lui, va rester intact et qui va nous servir pour l'incarnation d'après. C'est vraiment passionnant comme question parce que naturellement on peut le comprendre comme ça. Maintenant, encore récemment, j'avais sous le nez un texte de Marie-Louise von Franz en rapport à l'alchimie justement où elle expliquait que l'âme par nature en alchimie dans la tradition est reliée à la lune et au féminin. Et la lune
Donc évidemment, par entre guillemets complément au Soleil, la Lune est l'astre qui est corruptible et changeant. Donc après, voilà, évidemment, on va pas tomber dans l'amalgame de dire, voilà, on parle de la vertu du féminin qui donne la vie, on parle aussi de quelque chose de plus terrestre en rapport, on va dire, à l'aspect, à l'immuable céleste divin. Et c'est ces deux choses qui sont complémentaires. L'être humain est évidemment un mélange des deux. Maintenant, c'est assez intéressant de comprendre que, il y a une utilité finalement à vivre tous ces cycles de transmutation. Il y a une utilité, comme on disait tout à l'heure, à vivre la souffrance et ses épreuves, parce que c'est ce qui nous permet de nous élever. Et si on regarde, il y a pas mal on va dire, de personnages historiques qui resteront dans les mémoires de l'humanité parce qu'ils ont eu des grandes épreuves et qu'ils les ont surmontées, en fait. Hein, voilà. Donc on revient un peu à la même nécessité. Et donc dans cette idée-là, cette question de dire oui, alors. C'est vrai que comme des fois on parle de défunt, on peut parler d'âme ou d'esprit, hein, indifférencié, de manière indifférenciée. Pour autant, je pense que comme l'âme dans la tradition hermétique, alchimique et dans la tradition au sens large, comme l'âme est rattachée à la Lune, mais je pense que simplement pour avoir la question de savoir si l'âme est incorruptible, il suffit de regarder la course de la Lune dans le Soleil, dans la nuit, dans le ciel, pardon. Et en observant la Lune, justement, à chaque fois devenir lumineuse et devenir successivement sombre également, et d'ailleurs, c'est un cycle qui est très parlant. Si je dois suggérer un autre livre que le mien, pour ne pas être que en autopromo, c'est un livre que j'ai adoré lire qui s'appelle « Les mystères de la femme » d'Esther Harding, qui explique justement le cycle de la Lune, du féminin. Elle réintronise un peu tout ce qui a été oublié dans cette société actuelle, contemporaine, pour pas dire aussi patriarcale, sans tomber dans certains écueils. Et l'idée, c'était de justement réintroniser tout ça. Hein. C'est vraiment d'une nécessité sans nom. Donc l'âme, effectivement, c'est elle qui va, comment dire, être ballottée par la souffrance. Hein. On parle bien d'avoir des états d'âme. On dit bien d'avoir du vague à l'âme. Écartelé parle du corps de souffrance. Donc oui, ce sont des matériaux qui sont en nous, qui nous pèsent, qui pèsent sur notre âme. Et l'âme, c'est aussi une partie de l'inconscient, de ce qu'on ne voit pas, pour ainsi dire. Hein. Alors, on voit déjà, il y a eu des réactions, hein, à des personnes dire « Ah non, ça c'est impossible, tu vois, rien que le fait d'avoir posé le cadre, c'est là où on se Merci, mais rend pas. c'était le » Voilà, donc c'était le but, donc preuve que ça fait réagir. Mais je comprends, hein, c'est Nad qui elle aussi est médium, et donc pour elle, elle n'a pas envie qu'on efface la médiumnité, je crois que c'est plus ça qui l'a dérangé d'autre chose. Mais on oublie dans ce postulat, parce qu'on peut l'appeler ainsi tout à l'heure que j'ai proposé, et ça ne reste qu'une préposition et pas du tout une théorie ou un théorème. Je ne me permettrai pas ça du tout, ce serait beaucoup trop prétentieux. Mais c'est oublié, quelque part, cette théorie totalement échafaudée. Je ne suis pas le premier à l'élaborer, évidemment, hein, j'en ai pas l'exclusivité. Franchement, il y a beaucoup d'autres, il y a très très longtemps, qui ont pensé bien avant moi. Mais c'est surtout qu'on oublie l'avantage qu'il y a à se diluer, c'est diluer comme ça dans un flot d'informations. C'est vrai que l'individualité disparaît, mais si on fait profiter de notre information de vécu qui alimente cette source, auquel tout le monde s'abreuve, et qui est la vérité manifeste, il faut savoir aussi qu'elle, par la même occasion, en se fondant avec elle, elle nous livre toute son information à elle, en nous. Donc tout est dans tout, hein, quelque part. Mais on oublie, c'est fou qu'on se dise, voilà, mon apport à moi est très important, je me dilue, mais on oublie l'inverse, c'est-à-dire qu'on a ce retour d'information qui est juste beaucoup plus merveilleux que ce qu'on a délivré. On n'a délivré qu'un bout, il reçoit 1000 fois mieux. C'est peut-être ça aussi, quand des personnes font des expériences de mort imminente, elles ont juste trempé un bout du pied dans le flot et elles reviennent avec un tas d'informations qui sont juste extraordinaires. Qu'en penses-tu? C'est je crois qu'il s'appelait Moody, hein, ce gars-là qui a fait beaucoup d'expériences sur les morts imminentes. J'en parle évidemment dans le livre, c'était important. Juste pour complémenter aussi ma réponse par rapport à cette femme médium. En fait, je pense qu'il faut distinguer le cycle des incarnations, et une fois qu'on a fini le cycle des incarnations, ce sont deux choses différentes. Bien sûr que la médiumnité, on va la garder en héritage par rapport au passé. J'ai pour habitude de dire que je ne suis pas meilleur qu'un autre, je reste un être humain. La seule audace que j'ai pu avoir, c'est de mettre le doigt sur un héritage du passé. Et je pense que cette femme-là qui est médium, c'est exactement la même chose. Qu'on trouve des talents de magie, de médiumnité, quels qu'ils soient, de guérison,
ils nous viennent nécessairement du passé. On ne les a pas créés dans cette vie-là en quelques années. Non, non, c'est quelque chose d'ancestral, c'est une résonance avec voilà, avec l'antériorité. Et effectivement, une fois qu'on finit le cycle des incarnations et qu'on va littéralement dans le sein de Dieu, c'est pas si terrible de savoir que notre petit moi va être désagrégé, parce qu'il faut savoir ce qui nous attend. C'est littéralement le paradis, hein. Je veux dire, c'est l'état de du jardin d'Éden initial qu'on a perdu, hein. Je veux dire, cette nostalgie du paradis perdu qu'on recherche pendant des incarnations, on va enfin l'avoir. C'est littéralement le Graal. Donc c'est vraiment à moindre frais que de voilà que de perdre cette médiumnité, on va dire, en tout cas à la fin de notre expérience. Maintenant, du coup, j'ai pas répondu à ta question. Tu m'excuses. Non, 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 c'est pas grave parce que une autre question qui est très importante aussi pour moi. Aujourd'hui, tu es auteur, bon, ok, alchimiste, mais des conférences aussi. Voici, je vois soin à distance par rapport à cela. Est-ce que ça veut dire que tu parlais du magnétisme en tout début d'émission? Donc, on se doute bien que tu proposes aussi de t'occuper de l'humain. C'est une Bien sûr. de tes préoccupations à toi aussi. Oui, c'est même là où j'ai le plus d'expérience, pour pas dire de légitimité, je me fais un clin d'œil, mais aujourd'hui, il faut savoir que si je fais les salons bien-être, c'est en tant qu'auteur pour proposer le livre et pas en tant que thérapeute pour proposer des soins. Donc oui, j'ai commencé par le magnétisme. Alors, comme tu le dis à juste titre, on parle de soins à distance. Pendant certains temps, voilà, ça pouvait soulever à polémique, hein, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement admis par la physique quantique, puisqu'on parle d'intrication quantique, hein, c'est d'influencer un corps qui est en résonance avec nous à distance, et c'est la réalité, on va dire, du plan astral pour l'inconscient, pour l'âme, le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être. Que ce soit à distance ou que ce soit par rapport au temps, et là aussi, quand vous avez une médium qui va vous révéler certaines choses du passé, qui sont tout à fait pertinentes. Ou vous annoncer des prémonitions qui vont se réaliser. Donc il y a cette réalité, oui, où je fais l'essentiel de mes soins à distance. Et puis voilà, ça fait 12 ans que je pratique, on va dire, le magnétisme. Alors il est question aussi de muscler son corps astral, hein, puisqu'on travaille dans l'astral. Donc c'est aussi à force d'expérience qu'on devient pertinent. Et puis pour un peu plus expliciter mon parcours, il y a 5 années de ça, bientôt 6 ans cet été, après avoir suivi une formation avec Marc Neu, à qui je fais un coucou, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. C'était une formation sur les pendules émetteurs, et il m'a fait découvrir une méthode de déblocage des chocs émotionnels du passé que un monsieur comme Michel Henry a créée. Donc c'est pas une méthode que j'ai eu le mérite de créer, par contre j'ai fait énormément évoluer. Puisque bon, bah, la méthode de base, c'était tu as des abacs, il faut penduler pour connaître l'âge des chocs émotionnels et on libère. Alors qu'aujourd'hui, je travaille énormément avec les mots, avec les occurrences. Donc, on travaille beaucoup avec les peurs, la colère, la tristesse, avec des besoins, pour faire référence à des programmes inconscients. Et la manière que j'ai de faire aujourd'hui, même encore s'il y a quelques temps et quelques années, je faisais des modules tout faits, comme par exemple toutes les nuances de colère ou de peur ou que sais-je. Aujourd'hui, je prends le temps d'un entretien avec la personne où je vais établir littéralement une cartographie des racines de souffrance. Pour ensuite, dans un second temps, durant la séance, libérer point par point au niveau éthérique, au niveau de l'âme, le poids de nocivité qu'il y a dans tous ces aspects-là. Parce que le fait de désigner, c'est un peu la réalité aussi en magie, hein, si tu peux désigner, on va dire, une entité ou quelque chose qui te fait du tort, tu arrives déjà à avoir, ou déjà le conscientiser, on en revient à la même histoire, ça te permet déjà de mieux te positionner que de ne rien y comprendre et du coup de rajouter en fin de compte un peu plus de brouillard à tout ça. Donc voilà, il y a vraiment ce process qui est un peu de manière générique un peu de la libération émotionnelle, mais que j'ai fait énormément évoluer comme je te disais. Alors je travaille au pendule, je travaille avec des baguettes magiques que Marc nous a fait aussi, j'en avais parlé dans une autre émission. Je travaille aussi avec des sons, on va dire, caractéristiques, chamaniques pour ainsi dire, un son grave, un son aigu, qui permet d'une part une meilleure propagation des énergies et aussi un état de conscience modifié. Parce qu'il faut savoir que ben, avant, quand je pendulais dans le silence, si les personnes ne sont pas des méditants, ils vont irrémédiablement entrer dans le mental et ça va un peu faire plus de résistance. Oh, c'est vraiment complet. Donc, on voit qu'il y a tout ce travail. Aujourd'hui, de tes années de pratique, est-ce qu'il y a des tendances, on va dire, tu sais, rien que le mot a changé. Tu sais, aujourd'hui, on parle de burn-out. À chaque fois que quelqu'un est. Mais avant, ça avait un autre mot. Je vous laisse deviner, je vous laisse juste une minute sur le chat, deviner l'ancien mot de burn-out.
Vous allez voir, ça va paraître très très vieux jeu. Hein. En attendant, comment vois-tu justement, même si c'était la question de conclusion, mais je ne peux pas conclure, c'est compliqué pour moi de conclure avec toi. Ah non, on va pas conclure maintenant. Non, 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 c'est pas moyen là. Alors, justement, il y a 12 ans, comment vois-tu les autres aujourd'hui? Est-ce que tu as une espèce d'instantané de dire, voilà, j'avais une pensée, un peu comme un témoin qui permet de voir ta propre évolution à toi personnelle, de dire, voilà, je voyais vraiment le monde d'une autre façon il y a 12 ans. Aujourd'hui, est-ce que tu as ce témoin-là en toi? Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que, moi, par exemple, je te le dis, avant, il y avait des gens qui m'énervaient. Je disais, quel con celui-là. Et aujourd'hui, je ne vois que des souffrances et j'ai que de l'amour à leur donner. Sincèrement, vraiment. J'en arrive à ça, à avoir de la souffrance, même quand quelqu'un essaie de me faire du mal. Je me dis, pour me faire du mal à ce point, quelle souffrance a eu cette personne-là? Quel témoin as-tu et quelle analogie tu as pu faire, en tout cas en termes de comparaison de l'ancien toi, qui finalement est rené, est né de ses cendres comme toi aujourd'hui? Bon, on est tous un phénix qui, à chaque fois, meurt et renaît en permanence. Oui, et puis bah, la mort est avant tout initiatique. Hein. Là aussi, on prendra peut-être aussi le temps d'en parler tout à l'heure, si tu veux bien, de faire la bascule justement par l'analogie dans la réalité des choses. Et donc souvent, bah, la mort, on va l'interpréter de manière biologique et définitive, alors que la mort, c'est une étape de transformation, elle est initiatique, mais c'est aussi, c'est dans le mythe de Narcisse dont Bigée parle, il est aussi très intéressant, c'est mourir à nos anciennes représentations qui comptent déjà d'emblée. Et effectivement, par rapport à il y a 12 ans, je suis mort maintes et maintes fois à mes anciennes représentations. Alors naturellement, le chemin continue, il est encore long, on n'arrive jamais. Hein, je veux dire, c'est vraiment une réalité qu'il faut intégrer au niveau spirituel. Il n'y a pas un jour où on va se dire, ah bah tiens, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura que de l'amour, il n'y aura plus d'ego. Non, je pense que quelqu'un qui est plus établi spirituellement, c'est aussi quelqu'un qui continue à avoir des sources de contrariété au quotidien, mais comme tu l'as dit à juste titre, n'est plus aussi et autant, on va dire, alpagué. Donc, il va rester plus serein, il va rester, voilà, plus centré, plus imperturbable, plus hermétique aux provocations de la psyché collective. Et pour te répondre à ce qui a changé, déjà foncièrement, au-delà de, je veux pas te raconter de crack, je suis pas dans l'amour tous les jours, ça serait mentir. Et bravo à toi en tout cas si tu arrives Non, 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 moi, à tous les faire jours, je marcher. suis pareil que toi. Hein, c'est très dynamique aussi. Hein, je peste aussi. Mais globalement, ce qui domine aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et c'est pas Bien de la pitié, sûr, bien sûr. attention. Hein, à ne pas mélanger Non, avec la non, pitié. non, La non, c'est la pitié, compassion. La voilà, c'est de la compassion. con. Voilà, c'est ça. C'est de dire, quand je vois quelqu'un qui a vraiment des problématiques, qu'est-ce qui lui est arrivé pour en arriver là, quoi? Qu'est-ce qu'il a dû souffrir? Voilà ce Bien que je sûr, me dis. bien sûr. C'est ça. Je crois que c'était Jung qui disait ça, mais si on avait eu exactement le même vécu que cette personne-là, on aurait sûrement fait exactement les mêmes C'est choix. ça, Donc, tout à fait. on ne sait Exact. pas la personne par quoi elle est passée. Et des fois, voilà, on va se retrouver face à des personnes qui seront peut-être moins bienveillantes que nous, moins bien disposées, mais peut-être qu'elle a un plus gros supplice, un plus gros vécu, des plus gros traumatismes que nous. Faut aussi, ou alors peut-être simplement qu'elle n'a pas réussi à surmonter les siens. Et là aussi, il importe de pas la juger, la faire rentrer dans une case, et puis comprendre que on fait tous de notre mieux, et c'est déjà ça. Donc après, pour te répondre sur ce qui a changé sur le prisme par rapport à il y a 12 ans, déjà, très sincèrement, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place, déjà. Je pense que ce qui me faisait beaucoup plus souffrir à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment mon bonheur, c'est de savoir que je suis, comment dire, utile. C'est un peu fonctionnel comme terme, mais en tout cas, alors il y a une expression que j'aime de plus en plus employer. Alors, il y a le terme un peu sulfureux. Et aujourd'hui, pour résumer, la seule chose que je souhaite, c'est ne pas déplaire à Dieu. Et en fait, je vais reformuler autrement. Tout ce que je souhaite, c'est lui plaire, à savoir faire du bien à mon prochain. Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de demandes, beaucoup d'appels à l'aide, d'urgence. Donc c'est jamais évident parce qu'il faut savoir donner du temps à chacun, mais c'est vrai que pour te répondre par rapport à il y a 12 ans, il y a 12 ans, ben voilà, ou il y a 6 ans, il y a un moment, tu sais, ce cheminement par rapport à la pratique des soins énergétiques, à quel moment on se sent plus légitime, faut pas être trop précoce, faut pas être trop tardif, il y a surtout une question du regard par rapport à l'autre et du regard par rapport à soi, mais c'est surtout le sien qu'il faut œuvrer à faire évoluer, donc
Mais il est vrai aussi que, et ça je milite pour ça, hein, que il importe de prendre son temps, de travailler sur soi, à guérir ses blessures avant de s'aventurer à faire des soins. Et moi, c'est des choses que j'essaie souvent de sensibiliser les gens, de dire il n'y a pas d'urgence. Parce que des fois, ça peut être un moteur de reconnaissance, de besoin de, voilà, c'est aussi le masque du sauveur, tu sais, qui est finalement le dernier du triangle de Cartman et qui en reste un masque de la persona qui est enfermant. Et d'ailleurs, certains disent qu'à partir du moment où on n'a plus envie de sauver les autres, c'est qu'on est prêt à être thérapeute et pas avant. Donc c'est vrai qu'il y a tout une maturation, un cheminement à faire. Et Dieu sait que c'est des réflexions que j'ai connues aussi dans mon cercle privé, où ça a pu être fait état avec des amis spirituels et j'en passe. Et j'entends et je comprends. Maintenant, voilà, aujourd'hui, il y a surtout un moment qui va nous sembler un peu plus opportun parce qu'on va se sentir, voilà, plus centré. Plus ancré aussi, là aussi, quand je vois des thérapeutes ou des médiums qui ont des difficultés ou des aversions à travailler l'ancrage, alors que ce que les Égyptiens nous laissaient en héritage, ils nous disaient que ils qualifiaient ça d'enracinement, et en fait, c'était synonyme de protection. Donc en fait, quand tu as un ancrage qui est pété, la personne va se retrouver agglutinée par différentes énergies lourdes, et donc voilà. Donc ce qui a changé vraiment fondamentalement, c'est, alors, le regard, la place que j'ai trouvée ici-bas, mais aussi, tu sais, je te parlais tout à l'heure de la désidentification. Et aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, je suis pas forcément en train de me dire, je fais ci, Didier fait ça. Et en fait, c'est ça, la nécessité de ployer le genou, de permettre au petit moi de s'effacer pour se laisser traverser par plus grand que soi. Parce que littéralement, pour réviser la chose ainsi, ça fera une belle introduction pour l'ego, c'est que plus l'ego est puissant, moins l'âme a voix au chapitre. Et plus l'ego est docile, et plus l'âme peut se déployer. Donc c'est pour cette raison sûrement qu'on dit que l'ego est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Écoute, la désanti dit voilà, le fait de se désidentifier, pardon, j'ai du Identifié, mal ouais. à, voilà, est un exercice Merci. très difficile, effectivement, mais une fois qu'on comprend cela, il y a énormément de choses, même quelquefois des passions qu'on pensait être des passions qui en fait n'en sont pas. L'illusion tombe à ce moment-là. Donc ça, quelque part, tu mets le doigt sur une problématique qui est bien réelle, et là aussi, ça va être une question, attention, elle va être velue. Mais sacrément velu, celle-ci. C'est par rapport à cette illusion qu'on explique, dans laquelle on s'enferme volontairement. Alors, c'est vrai, comment expliquer ce besoin viscéral de vivre dans l'illusion? Alors, je vais en donner des preuves là aussi. Je vais donner d'abord la réponse aux personnes. L'ancien mot justement du Du burn-out. burn-out. Tout le monde a dit dépression, etc., déprime, mélancolie, tout ça et tout. En fait, c'était le surmenage. Voilà. Avant, les médecins disaient Ouais, ça. Hein. ouais. Diagnostiquer, ouais, votre mari ou votre femme. J'en ai une autre pour toi d'ailleurs, si tu veux bien. C'est Oui? les états psychotiques aujourd'hui étaient appelés possession hier. Ah oui, exact. Exact. Tout à fait vrai. Bah, comme quoi, hein? Et Voilà. donc finalement, tu vois, on a les mêmes problématiques qu'à l'époque. Hein, donc C'est ça. Ça change pas. aujourd'hui, ce qu'on va appeler programme inconscient, on l'appelait envoûtement. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a pris d'autres formes. Alors, quand on est enfant, on demande souvent à nos parents. Enfin, c'est normal de demander à ce qu'on nous raconte une histoire. Papa, maman, raconte-moi une histoire. Et puis on s'endort. Et quelquefois, quand on veut pas dormir, allez, encore une autre, quoi, encore une autre. Non, demain. Alors, il y a des livres spécialisés, etc. Là-dedans, qui ont des contes de livres d'enfants. Là aussi, l'alchimiste est intéressant parce que il y avait quelquefois des mythes qui était initiatique, des histoires, des contes qui étaient racontés, finalement la graine était plantée, et même si le conscient ne le comprenait pas, il était conscientisé bien plus tard lorsque l'enfant était capable de décrypter en tout cas la chose. Voilà, les contes en question. Il y avait toujours une utilité pour apprendre, pour transmettre une sagesse, même dans des choses aussi futiles que de raconter des histoires. Mais c'est une parenthèse, non, on n'en finirait pas, on pourrait toujours faire des parenthèses de parenthèses. Ceci étant dit, il y a quelque chose qui ne disparaît pas. Ce besoin qu'on nous raconte des histoires, c'est un peu comme on est la seule espèce, en tout cas vivante sur Terre, à continuer à boire du lait après avoir été sevré. Ce n'est pas normal, c'est dysfonctionnel, on le sait, mais on va continuer quand même. Hein. Voilà, c'est comme ça. L'être humain est ainsi fait.
Et de la même manière, je dirais que des histoires, on les a quand on est petit, quand on est enfant, parce qu'on a besoin de dormir, de se rassurer, et c'est bien d'avoir l'attention de l'autre, du parent qui vous raconte. Mais aujourd'hui, quand on voit les plateformes, Netflix, Prime Video, on voit Disney+, et plein d'autres, il y a un besoin viscéral aujourd'hui, plus que jamais, au-delà du fait que la technologie permet de faire la VOD, hein, la vidéo on demand, mais ça cartonne tellement que je me dis qu'on est de grands adultes qui n'avons pas fini de grandir. On demande des histoires, sauf qu'on n'a plus de besoin de demander à nos parents. C'est ces plateformes de streaming qui prennent le relais et qui nous racontent des bobards. Ce ne sont que des séries, ce ne sont que des fictions. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le mal-être de l'âme à s'incarner, à détester cette vie, est tel que pour pallier à cela, il se berne d'illusions en permanence en regardant des séries à plus savoir qu'en faire jusqu'à la lie. Le prisme de l'alchimiste que tu es, comment il analyse cette situation ubuesque? C'est une question velue, mon cher Didier. Je t'avais prévenu, hein. Effectivement, alors tu sais, quand tu me parles d'histoire, je sais plus, je crois que c'est Joseph Campbell qui disait, ce ne sont pas les histoires qui font les mythes, ce sont les mythes qui font les histoires. Et forcément, en tant que symboliste convaincu, je suis un amoureux des mythes, de la mythologie. Et les mythes, si on peut résumer succinctement à cela, c'est littéralement comme si on nous fournit un mode d'emploi pour la vie. Et chaque mythe va évoquer un archétype, une énergie fondamentale ancestrale, et pour mieux la comprendre et la conscientiser. Il faut savoir que on parlait, on n'est pas encore arrivé au chapitre de l'inconscient, mais ça sera quand même important d'en parler si tu veux bien. On est manipulé à longueur de journée, et c'est ce que les peuples premiers ont toujours été convaincus. On est manipulé par les énergies du monde, par la psyché collective, par des astres, des signes, des signes astrologiques, des mythes personnels. Et quand tu parles justement de cette avidité pour les histoires et pour le divertissement, forcément, il y a la question de divertir pour instruire ou non. Naturellement, si à l'issue d'une série, d'un visionnage, quel qu'il soit, on n'a pas appris quelque chose qui nous a permis de nous grandir, on pourra se poser la question si on n'a pas perdu notre temps. Et c'est intéressant que tu parles de ces séries-là parce que certaines sont vraiment pernicieuses. J'en veux pour preuve, tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'inversion, l'inversion qui est propre au mental, mais qui est aussi machiavélique. Et moi, j'ai été véritablement choqué, je te le dis tout net. Quand, par exemple, j'avais regardé, je crois, c'est cette fameuse série sur Netflix qui s'appelle Lucifer, où tu voyais, si tu as un peu le sens du détail, on dit bien que le diable se cache dans le détail, où on observait les couleurs des ailes. Et Oui, c'est vrai. paradoxalement, Alors, et on apprend même dans cette série à aimer le diable, hein. Dans quelque part, le mal est peut-être là aussi, hein. exactement, exactement. Et dans cette série, bah Saint-Michel, excuse-moi, c'est vraiment l'enfoiré de service, hein, c'est vraiment la mauvaise, Oui, voilà, le l'inversion des mauvais rôles, gars ce qu'on vit parmi nous. actuellement, c'est fou quand même, Exactement. Et hein. ça, c'est très intéressant, tu vois, parce que les ailes de Lucifer, quand elles sont déployées, elles sont blanches, pardon, Ouais, c'est et angélique, les ouais. ailes de son frère Amenadiel, elles sont noires. Ouais, exact. Et rien que là, tu vois, quand tu essaies de, dans l'inconscient collectif, faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une intention derrière. Mais bien Bah, sûr. après, je t'en sors une autre du même tonneau, hein, bon, celle-là, elle est péchue, elle est sulfureuse, hein, et pardonnez-moi, hein. Mais c'est la fameuse série Samantha qui était l'ancienne Ma sorcière bien-aimée. Et à un moment dans la série, moi j'ai été, je suis tombé de mon canapé quand j'ai entendu ça, quoi. Et donc ils reprennent une formulation qui est habituellement attribuée à la Bible et à Dieu, hein, puisque c'est gloire à toi Seigneur. Et dans la série, à un moment donné, c'est gloire à toi. Ah, Tu vois ce que je veux dire? non, mais Et moi, je j'étais vois là, je ça. disais, oh punaise, mais c'est pas possible! Mais la série Lucifer, effectivement, ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable, c'est de rendre le prince des ténèbres sympathique et Séduisant. Mais attachant. c'est aussi le propre de Lucifer, hein, tu sais. Oui, Il y avait bien un sûr. grand guide spirituel, C'est paix à son clair. âme, qui s'appelait Selim Eissel, qui disait qu'il n'y a qu'une seule manière que de chevaucher sur le dos du diable, c'est de ni convaincre et ni séduire. Et donc, effectivement, le propre de Lucifer, c'est de séduire. Et pour juste revenir encore, finir cette histoire sur Samantha, à tel point que quand moi je priais, à un moment donné, il y avait des moments où je buguais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire gloire à toi. Et
Ah ouais, d'accord. C'est La pas vrai. conscience collective, t'avais pris les rigors presque. Exactement. Ouais. Et donc, ouais, c'est hyper perturbant parce qu'après, bon, voilà, on en revient toujours, tu vois, sur cette partie double qui nous échappe où ils vont inverser certains trucs, mais qui vont être symboliquement très forts, hein. Donc, voilà, pour te répondre, oui, les gens ont besoin de se divertir, c'est normal, les gens sont soucieux, mais Non sauf que mais se divertir ce sans souci. divertissement, excuse-moi, c'est peut-être jugeant de ma part, mais j'ai l'impression que c'est un Oui, non. divertissement permanent. Tu vois ce que je veux dire? Et un Il y a un abrutissement tempo. aussi, un abrutissement. Comment? Ah, oui, dans les deux sens, oui, ça va. C'est juste ça. On tend vers quelque part vers. Tu vois bien que bon, je sais pas, je connais pas ton âge, mais à mon 45 époque, ans. on, comment? 45 ans que je viens d'avoir. Bon, bah, je sais pas. Est-ce Quand que même, ouais. tu, dans ta jeunesse, tu allais bien en boîte de nuit, comme moi? Il y avait des boîtes de nuit. Aujourd'hui, il y en a Oui, plus. tout à fait. Il y en a Tout à fait, plus. tout à Il y fait. en a plus aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils s'amusent chacun Mais individuellement c'est la dans promesse de leur Prométhée coin. qui était viciée, ouais, bien sûr. On nous a dit que l'Internet nous augmenterait, on nous a dit que l'être humain serait augmenté. Alors là, c'est pareil, on parlait de la réalité augmentée, hein. Donc aujourd'hui, faut bien comprendre que quand on accepte une puce sous la peau, c'est une perte de souveraineté, hein. Et on nous parle de l'humain augmenté, mais évidemment, si on prend l'inversion, ça va être l'humain diminué. Et on l'envoie, j'en parlais encore récemment avec un ami qui est assez branché informatique et intelligence artificielle. Ce qui va se passer, il n'y a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour savoir. Simplement, on parlait d'un exemple. Il y avait un gars dans un village, tu sais, qui doit faire des petits journaux périodiques et qui maintenant, bah, il s'emmerdait plus. Il allait sur ChatGPT et puis ça a déroulé le truc. Et demain, par exemple, dans quelques mois, quelques années, quand on aura un problème avec sa femme, avec un enfant, avec l'école, avec le boulot, on ira chez ChatGPT pour savoir qu'est-ce qu'il faut écrire. Oui, Et tout à fait. littéralement, on va perdre de la conscience. Et ça, c'est bien Lavoisier qui le disait, rien ne se perd, tout se transforme. Donc cette conscience, elle va aller quelque part, elle va pas disparaître comme Oui, dans oui, une oui. baguette magique. C'est vrai. Donc ça va être un transfert de conscience, et là, bah, c'est pareil, on va évoquer, bah, c'est plus que de la trilogie, hein, mais les films Terminator, et j'en passe, hein, c'est Ouais, pas... d'accord, c'est une question de vase communicant, savoir le vase de Exactement. quelle matière il est et qui va le contrôler, le contenir. C'est comme Chronos avec ce sablier, quand on détient le temps, on le maîtrise, on le balance comme on veut, de la même manière. Et quand on Alors, détient la conscience aussi, on maîtrise, hein. Donc là, c'est quelque chose aussi de quelque chose de, qui parle, hein. Où oui. va notre conscience au quotidien, tu vois? Alors, justement. Hermès, dans tous ces mythes qu'on vient de parler, hein, on parle de Chronos, on parle de Saint-Michel, de Lucifer. Là, Hermès, il allait aussi dans le royaume d'Hadès, qui était les enfers à l'époque. Donc, il avait accès au très haut comme au très bas. Et ce qu'il a de particulier, Hermès, c'est que tout lui est permis. Et pourtant, c'est pas un dieu. Je ne sais même pas si c'est un demi-dieu ou si c'est un simple humain. Excuse-moi Non, c'est un dieu, il est fils de Zeus, hein, je crois, si je dis pas de D'accord. bêtises. Alors, justement, par rapport à cela, Hermès, c'est ton chouchou. C'est peut-être pour ça que tu l'as choisi. Est-ce que c'est parce qu'il a cette versatilité de pouvoir aller où il veut, quand il veut, comme il veut, sans rien craindre, puisqu'il a vraiment une immunité, on va dire pas parlementaire ni politique, mais meilleure. Il a le Là, totem. Il c'est a la le totale. totem des immunités. Donc là. Ouais, bon. C'est pour ça, tu aimerais, est-ce que quelque part ton ego ne s'est pas exprimé en disant j'aimerais être Hermès, avoir des sandales avec des sandalettes avec des ailes, pouvoir voler de mes propres ailes, informer les gens, parce que c'est ce que tu fais aussi au quotidien. On fait au mieux. Alors après, j'aime à dire aussi, tu sais, il y a une différence entre se prendre pour Dieu le Père et sentir le souffle divin nous traverser. Encore récemment, je disais un chapitre assez intéressant, hein, toujours de Marie-Louise von Franz, hein, sur donc elle a fait une trilogie, je sais pas, deux trois livres sur les contes de fées, avec l'interprétation au sens jungien sur l'individuation, l'animus et l'anima. Et donc ça parlait en fait du génie, et les Romains à l'époque honoraient leur génie. Qu'il voyait souvent comme un jeune adolescent avec une corne d'abondance. Et quand on avait par exemple une idée créatrice, un Eureka, on rendait grâce au génie. D'ailleurs, à la date anniversaire, on lui faisait des offrandes. Ça permettait aussi de boire sans s'enivrer, on avoir une libido excessivement déployée, on va dire. Donc, c'est intéressant parce que y a vraiment cette nécessité pour le petit moi de ployer le genou pour se laisser traverser par plus grand. Pour te répondre, on a tous des affinités,
Voilà. Et à nouveau, il y a une différence entre se prendre pour la réincarnation d'un personnage incroyablement historique et spirituel et avoir une partie de son essence qui nous permet de retisser ce lien. Et donc, c'est un peu cette diversité qui fait notre richesse. Donc, la question, c'est d'aller vers cette sensibilité, vers ces affinités. Et ça va se faire de manière plus en plus nette au fur et à mesure qu'on va progresser sur notre parcours. En travaillant sur soi, en se rectifiant, en se libérant de différents voiles, de différentes chaînes, et ainsi, l'intuition sera plus claire, parce que l'ego aura justement baissé pavillon. Et là aussi, il est certain que si par exemple on a quantité de pensées négatives au quotidien, là aussi, certains l'attribuent, et j'en suis convaincu, attribuent ça au programme inconscient en cause. C'est-à-dire que plus on va travailler sur soi, plus on va démanteler des programmes inconscients, moins on aura de pensées négatives. C'est comme ça que finalement on peut peut-être un peu, on va Oui, dire, mécaniquement, oui, expliquer bien la sûr. chose. Et donc effectivement, Hermès, il avait cette faculté d'être psychopompe avant tout. Alors il y a d'autres créatures qui sont psychopompes. Par exemple, dans la mythologie, le cheval Pégase. Les chats aussi sont psychopompes. Ils sont réputés pour être psychopompes. C'est pour ça qu'ils vont ils vont bloquer sur un coin d'une pièce qui semble anodinement vide, alors qu'en fin de compte, ils ressentent une présence. Et donc, cette capacité à aller entre les mondes librement, elle est propre au mental. Et si on veut un peu plus comprendre Hermès, c'est Bigé qui en parle très bien. Pour bien comprendre un signe, on s'intéresse au mythe qui lui est rattaché. Et donc, on regarde les deux signes qui sont maîtrisés par Mercure, à savoir les Gémeaux et la Vierge. Les deux mythes, en l'occurrence, vont tous les deux faire une référence à l'enfer, puisque le mythe du Gémeaux, c'est Castor et Pollux. Donc un des deux jumeaux va décéder parce qu'il n'est pas, il n'est pas, il n'a pas son statut divin. Et le jumeau survivant va voir Hadès en disant, écoute, moi je suis bien embêté, j'aimerais bien que ça change cette histoire. Et donc il trouve un deal où la moitié du temps, il ira prendre sa place. Et souvent, par exemple, le Gémeaux, il va être dans une oscillation de pensée. On va dire négative et positive, ou infernale et plus lumineuse. Mais le souci, c'est que souvent, par un accaparement, en fin de compte, de la conscience, on va se retrouver enfermé. C'est ça, à mon sens, hein, ce qui est infernal, c'est de se retrouver dans un état constant d'errance, et on n'arrive pas à en s'en sortir. C'est un carcan qui a l'air indestructible. Et le deuxième domicile de Mercure, qui est la Vierge, on va nous parler évidemment de Déméter et de Perséphone. Et donc, dans les deux cas, il est question de retourner en enfer pour aller chercher, donc ça c'est la mythologie finalement d'Hermès qui nous l'enseigne, et pas que lui, d'aller chercher nos parts blessées pour les guérir. Parce que rester dans le déni, ne pas avoir le courage d'aller chercher l'ombre, eh bien ça va lui donner du grain à moudre toujours et encore. Et encore récemment, il y a tellement d'analogies, j'ai pas le savoir pour en étaler beaucoup plus, mais j'avais vu un passage de Annick de Souzenel qui parlait de cette fameuse échelle de Jacob, où elle disait que il est question à un moment donné de descendre dans les forces animales pour les transmuter. Donc par exemple, d'aller éprouver la colère, la transmuter pour en faire quelque chose de plus Oui, vertueux, comme de la il bienveillance. faut l'expérimenter. On peut pas arriver tel des sages. C'est un peu l'histoire de Gandhi quand Bien même, hein, sûr. qui a fait des choses horribles avant d'être ce qu'il a été. Hein. C'est On est ça, dedans. exactement. Et donc on revient toujours sur cette dualité qui vont, quand on parle d'alchimie, souvent il est question de faire coïncider les opposés, de Oui, réunir ce qui a été séparé. Et c'est c'est comme ça. ça qu'on retrouve le sentiment d'unité. Pareillement, si certaines épreuves, si je prenais un peu une baguette magique avec Ego, je me dirais, ah, ben, j'aurais bien voulu enlever ça et ça. Mais si certaines épreuves m'avaient été épargnées, j'aurais peut-être pas connu, par exemple, la peur et l'ombre. Et donc, je serais pas forcément le même thérapeute que je suis aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir juste, il faut avoir su aller, il faut avoir su voyager dans ces contrées obscures, dans ces ténèbres-là. Et c'est dans ces conditions-là qu'on va réussir à faire jaillir un soleil inconditionnel. Il y avait aussi un autre saint que Marc Neu avait évoqué à l'époque, c'était Saint Cyprien, qui avait fait, qui les des deux écoles de magie. Et c'était un exorciste hors pair parce qu'il avait d'abord pratiqué la magie sombre. Oui, tout comme Saint Expédite aussi, qui était un guerrier romain, je crois, Exactement. qui a fait des horreurs avant de faire ce qu'il a fait. Alors, tu viens d'expliquer et de mettre le doigt sur une problématique pour tous ceux qui se posent la question, qui ont connu des couples se réunir, ont été même les témoins du mariage, qui ont fait des enfants, des choses merveilleuses entre eux, en partant en vacances, d'une douceur et d'une harmonie de couple, d'une complicité incroyable, et puis lors du divorce.
c'est les tribunaux et la destruction totale. Donc, le contraire de l'amour, c'est la haine. Donc, tu viens de, en fait, démystifier ça tout simplement en ces termes. Preuve que l'alchimie, en fait, les codes alchimiques, quelles que soient les problématiques, trouvent toujours écho et transposition, explication là-dedans. C'est pour ça, là, vous venez de comprendre un petit bout seulement pourquoi j'adore l'alchimie et comment j'ai pu comprendre mieux le monde grâce à l'alchimie et ce livre. Justement, en démystifier un bon paquet. En tout cas, vous apprend. J'ai l'impression aussi, non seulement que c'est de l'alchimie décomplexée, mais aussi, pas un manuel de pensée non plus, c'est pas ça, mais une méthodologie de décryptage, j'oserais dire. Moi, je le comprends un Un peu comme manuel pour ça. mieux vivre. Hein. Quelqu'un m'avait dit un manuel pour mieux vivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on en avait parlé tout à l'heure, il y a toujours un peu ce découragement qu'on va trouver quand certains livres sont pointus. Après, certaines personnes vont se sentir à l'aise et auront une familiarité avec ce langage, mais c'est pas le cas de tous. Et aujourd'hui, vraiment, mon plus grand bonheur, c'est de m'apercevoir que ce livre parle à tous et qu'il n'est pas très exigeant. En termes d'investissement, quand des gens me disent j'ai plus le temps de lire, je n'aime pas lire ou j'ai du mal à me concentrer quand je lis, eh bien quand même, il est possible de tenter l'aventure puisque c'est un livre, comme il est constitué d'une centaine de petits chapitres, on peut le lire dans l'ordre habituel ou on peut dire aujourd'hui c'est quoi le sujet qui me parle, qui m'attire, que j'ai envie de creuser et d'explorer. Et ainsi, littéralement, il y aura un supplément d'âme, au niveau du livre puisqu'il va littéralement épouser, embrasser les réflexions quotidiennes, les problématiques de la personne. Et c'est assez génial parce que j'ai de plus en plus de retours où les gens me disent « Ah bah c'est incroyable, j'ai vécu cette situation-là » et ça décrivait exactement ce que j'ai vécu. Et donc il y a vraiment l'idée d'accompagner la personne dans son processus d'éveil parce que sa particularité à ce livre aussi, c'est qu'il est très fouillé, il est à la fois paradoxalement à l'image d'Hermès, très fluide et facile à lire, mais aussi très dense et nourrissant pour l'âme, c'est-à-dire qu'il y a une luxuriance d'éléments, toujours par petites touches, hein. Je ne suis pas à déployer un chapitre de 30 pages pour parler d'un seul sujet, je ne sais pas faire ça de toute manière, mais par contre, on va mettre une quantité assez conséquente de différents concepts. Alors, on parle de toutes les grandes questions de la vie à la lumière des anciennes traditions. Donc, il y a la langue des oiseaux, évidemment, c'est déjà suggéré par le titre. La langue des oiseaux, qui est la langue des alchimistes, la langue du cœur, qui parle par analogie. Et c'est très intéressant parce que cette langue des oiseaux, elle va être dans une sonorité, elle va être assez théâtrale, démonstrative. Alors que si on pourrait dire la langue d'Hermès, la langue muette dont je parlais tout à l'heure, il va falloir aller la chercher par une forme de curiosité en refaisant le chemin à l'inverse. Là aussi, c'est pas pour rien qu'on parle de Annick de Soutenelle parle de renversement, c'est-à-dire tourner l'attention et la conscience dans le sens opposé à l'endroit où on était toujours jusqu'à présent et qui nous fait défaut. C'est-à-dire aujourd'hui, pour résumer succinctement, mon bonheur, ça va pas être une situation professionnelle, sentimentale, une réalisation qui se passe à l'extérieur de moi, c'est quelque chose qui sera intérieur, déjà d'une part. Donc on est déjà à rebours des apparences. Pendant des années, on nous a dit que la religion on a voulu nous inculquer que le bon Dieu était quelque chose qui se situait dans le ciel, à l'extérieur de nous, alors que, à l'inverse, si on tourne notre attention à l'intérieur et vers le bas, là, c'est sûrement on va dire, un endroit qui est bien plus opportun, bien plus pertinent. Donc voilà. Donc la langue des oiseaux, c'est déjà un premier pas. Elle permet de bien sensibiliser les lecteurs, mais il faut aller plus loin. Et donc après, bon, j'ai eu recours à une multitude d'autres sciences ancestrales, des fois plus contemporaines, hein. Je parle pas mal de psychologie jungienne qui finalement est aussi un domaine que j'ai pas mal dû explorer par la force des choses. Mais il y a aussi voilà du yoga, du bouddhisme, de la mythologie, du symbolisme, de la physique quantique un petit peu, du zen. Je suis un amoureux de la pensée zen. Et en fin de compte, en prenant toutes ces grandes sciences ancestrales et en les mettant en lien, on obtient un résultat qui est beaucoup plus probant, à mon sens, que si on avait développé sur un seul sujet avec une seule sagesse. Et c'est ça un peu le Ben, challenge du livre, c'est de, l'holistique dont tu parles, voilà, c'est ça l'holistique, ça. mais comme tu disais, décomplexé, dépoussiéré, modernisé au final. Et finalement, ça passe par des exemples de la vie de tous les jours. Alors, voilà, tu vois, quand on disait tout à l'heure, la réalité profane n'est pas la réalité tout court, n'est pas la vérité voilà, essentielle. C'est vrai. Et on trouve une multitude d'exemples. Et on va dire que, bon an, mal an, chemin faisant, je trouve de plus en plus, on va dire, d'habilité à déployer ça. Donc on peut trouver quelques exemples que j'aime beaucoup évoquer.
Je prends un exemple. Quand, par exemple, un enfant naît, c'est un grand moment de grâce et d'espoir, d'innocence, de pureté. On se dit tout est permis. Alors qu'au-delà des apparences, cet enfant a déjà un bagage karmique et des choses bien consistantes qui vont peser sur son destin d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est clair, il vient pas tout, il vient pas, c'est pas un tube de Javel, hein. C'est voilà, il est pas désinfecté. C'est ça, et c'est très parlant parce que c'est vraiment quelque chose de flagrant, hein, je veux dire. Et pour moi, en fait, c'est ce genre d'exemple très concret. Alors, un autre exemple très parlant, hein, qui est un peu la tarte à la crème, on va dire, dans le développement personnel, c'est quand on parle d'abondance. Et j'en parle évidemment sans spoiler, sans vouloir spoiler, dans le chapitre, d'un des chapitres du livre. L'abondance et la richesse n'est pas matérielle et financière. Il faut se le dire, il faut bien le comprendre. Il faut le mettre sur la tête et sur le cœur. Pour bien des personnes, la richesse, l'abondance, elle est matérielle, elle est financière. Et c'est là Oui. déjà où les choses sont inversées. Oui, c'est vrai. C'est une On peut montre dire pareillement Rolex, pour la c'est pas le pauvreté. cas. Pour Voilà, la c'est ça. pauvreté, Et on peut dire pareillement pour la pauvreté. Et donc c'est là où il est intéressant de toujours faire la bascule en analogie vers le subtil. Donc vous l'avez compris entre les lignes, la richesse véritable, c'est la richesse spirituelle, la pauvreté véritable, pareillement. Et à partir de là, on a déjà une autre vue de la vie. Parce que voilà, il faut aussi un peu considérer que si notre conscience elle reste toujours bornée aux apparences, c'est littéralement comme si elle était enfermée, pour pas dire sous emprise. Quand on a tous vu des gens qui étaient omnibulés par l'argent et qui sont littéralement possédés par la soif de toujours avoir plus. avec cette Et encore insatisfaction permanente, oui, tout à fait. chronique, tout à fait. Et évidemment, alors il y a des choses à travailler derrière, comme la peur de manquer et j'en passe. Mais un autre aspect très intéressant que j'ai pas encore eu l'occasion d'évoquer en émission ainsi, donc c'est par exemple, c'est le mythe d'Hercule qui nous l'enseigne en filigrane. Et il est question en fait, donc au début du mythe, Héra rend Hercule fou et il tue sa femme et ses enfants. Et donc, de manière profane, on va dire oh là là, infanticide, quelle horreur, c'est dégueulasse. Alors que si on va chercher le sens figuré, le sens propre, de prendre au pied de la lettre, les enfants sont des projets d'avenir. Et donc, je trouve qu'il est intéressant de considérer cet aspect-là. J'en parlais récemment avec un ami qui n'a pas d'enfant non plus comme moi, et il était question de situer que il y a des personnes qui sont parents, on va dire biologiquement, mais qui n'ont plus véritablement de projet d'avenir parce qu'ils sont tellement dans leurs habitudes quotidiennes terrestres, ils sont tellement aussi à vivre à travers leurs enfants et à comment dire, à y verser tous leurs espoirs, parce que c'est des fois aussi un peu une espèce de salut par procuration qu'on espère qu'on fait des Oui, enfants, de en tout cas. surface corrigée, sa propre surface corrigée, oui. Voilà, et à tel point qu'on s'oublie soi-même. Donc ils ont des enfants concrètement, mais ils n'ont plus véritablement de projet d'avenir ou de projet spirituel. C'est A vrai. contrario, on peut considérer des personnes qui n'ont pas d'enfants, voilà, comme j'en fais partie, qui ont des projets spirituels, qui ont des projets d'avenir. Donc, voir l'enfant, pas juste comme une entité biologique, évidemment que c'est pas juste ça, pas juste comme sa descendance, pas juste comme un miroir narcissique, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est intéressant de considérer que si vous avez des enfants aujourd'hui, où en sont vos projets d'avenir? Où en sont vos projets spirituels? À quel moment vous prenez soin de vous? Parce que là, évidemment, en consultation, j'en vois beaucoup des parents qui se perdent, qui s'égarent, Oui, par sacrifice. au point d'oublier qu'il n'y a plus de couple du tout, hein. Ils sont ensemble juste par fonction. Absolument. Il n'y a plus rien. Et on se retrouve malheureusement dans un déséquilibre, on va dire psychique, où l'âme est en péril, et c'est très problématique, ces histoires-là ne se finissent pas bien en général. Donc, il est important de toujours garder à l'esprit qu'il y a un juste équilibre, hein. On a toujours un peu, voilà, pour ce qui est de l'ego, on a toujours un peu ces deux grandes visions du surego, du sous-ego. Le surego, c'est celui qui va être bourreau, qui va dominer l'autre, et le sous-ego, c'est celui qui va se soumettre, qui va être dans le sacrificiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois trop souvent, c'est que on s'imagine qu'être aveuglément bienveillant et généreux, ça va garantir notre place au paradis, alors que c'est pas du tout ça. On demande justement à la personne à un moment donné de se respecter, d'ouvrir les yeux, et c'est le propre, on va dire, d'âme qui, des fois, sont dans une forme d'aveuglement bienveillant. C'est-à-dire qu'il y a les écueils du mental comme il y a les écueils du cœur, hein. Et c'est intéressant parce que, on va dire que, on va un peu arriver sur la partie de l'anima et de l'animus. La grande différence entre les hommes et les femmes, c'est de justement avoir un inconscient qui est genré à l'opposé. Donc les hommes ont un inconscient appelé anima parium qui est genré féminin, et les femmes ont un inconscient qui est genré masculin appelé animus.
Chacun a une fonction caractéristique. L'anima des hommes a une fonction qui est liée à l'éros. C'est probablement pour ça que souvent les hommes sont plus, on va dire, accaparés par l'objet sensuel, qui peuvent avoir des sautes d'humeur, alors que les femmes, elles, elles sont plus, on va dire, en porte-à-faux avec leur mental. Alors oui, on a tous des fois à vivre un dialogue intérieur qui peut être des fois un peu nocif, mais les femmes plus particulièrement dans la mesure où elles vont se retrouver rattrapées par l'animus qui va chercher du grain à moudre. Alors je prends des scènes du quotidien pour expliquer ça. Par exemple, je sais pas, une femme qui dit à son compagnon, malgré qu'elle soit dans la relation et que ça se passe bien et qu'elle ressent de l'amour pour qu'elle l'amour, elle va lui dire par exemple, dis-moi que tu m'aimes ou dis-moi que tu me trouves belle. Alors qu'à la base, elle le sait. Mais le mental, au fur et à mesure, va rogner, va toujours et encore donner du crédit à cela, et ça va finir par l'arranger, et ça va déborder. Donc c'est comme si les pensées affectaient les émotions. Alors que chez l'homme, c'est un peu l'inverse, c'est les émotions qui vont affecter les pensées. Et donc en fait, pour vraiment alors je fais des espèces de caricatures, je décris les archétypes, on a l'homme souvent qui est rationnel, cartésien, qui croit en rien. Bon, alors évidemment qu'il y a des hommes plus sensibles, évidemment qu'il y a des femmes qui sont plus masculines, hein. Dieu merci, il y a des hommes qui sont ouverts à la spiritualité, je dis pas ça. Mais très souvent, la caricature, c'est un homme qui dit, ouais, la spiritualité, tout ça, c'est des conneries, ça n'existe pas. Donc il est dans un excès de rationalité. La femme, elle est à l'opposé, elle a le problème inverse, elle a un rationnel qui fait défaut. Et donc elle est trop perméable à l'irrationnel. Littéralement, le propre de la femme, son gros challenge, son gros problème, c'est qu'elle donne du crédit à la plupart des pensées qui lui arrivent. Alors on peut dire des pensées, des paroles ou des idées, qu'importe. Mais la réalité énergétique qu'il faut comprendre, c'est que quand je valide une pensée, quand je lui donne du crédit, ça va déclencher une émotion en moi. Donc chacun, l'homme et la femme, vont être dans un excès du cœur ou du mental. Et on gagne à s'équilibrer. Et c'est pour ça que j'en ai fait un passage dans le livre important, où j'explique que quand on a une plante qui va pencher trop à gauche ou trop à droite, en lui mettant un tuteur, à aucun moment elle va trop basculer de l'autre. Parce que bien souvent, les femmes vont pas vouloir aller dans le mental parce qu'elles vont avoir peur de perdre la ferveur de leurs sentiments, l'intensité de leurs émotions, alors que l'homme, lui, il va avoir peur d'aller dans le cœur parce qu'il va craindre de souffrir inutilement, il va craindre la folie, il va craindre l'irrationnel. Et il est vrai que je crois que c'est une des étapes du mystère d'Isis où pour l'homme, il est question d'aller vivre dans le cœur parce que souvent, nous, les hommes, on est frileux pour aller vivre les émotions, les sentiments. Donc, si je peux donner un conseil déjà, alors voilà, c'est de s'inspirer les uns les autres. Et les femmes, c'est d'apprendre à douter de leurs pensées. Et j'avais une consultante encore récemment, on en parlait, elle me disait, ah, mais c'est chouette parce que depuis que j'ai une pensée négative qui vient m'accaparer, donc c'est ces fameux scénarios catastrophes qu'on n'arrête pas de s'imaginer, eh bien, je la désamorce et je me dis peut-être, peut-être pas, et ça passe. Parce que le problème, évidemment, c'est de s'identifier et lui donner du crédit. Donc, en réalité, au niveau énergétique, c'est pas j'ai peur. C'est un courant de peur, une pensée de peur, une émotion de peur me traverse, je m'identifie à elle, et par là même, je lui donne de l'emprise sur ma vie et du pouvoir sur mon fort intérieur. Là, effectivement, à lire aussi, si vous voulez compléter votre littérature et votre culture personnelle, l'homme vient de Mars, la femme de Vénus, c'est un classique. Et là, on voit que c'est deux Bien planètes sûr. différentes au niveau de l'allégorie, c'est très, très intéressant. Alors, on va conclure, mais juste avant, on va quand même montrer justement le Facebook de notre invité ce soir, Didier Stemmer, de soinsadistance.com. Sur lequel vous pouvez commander ce livre, puisque c'est une auto-édition. Et quel livre, quel panache il y a, et quel, on va dire, plaisir à lire pour une fois qu'un sujet aussi sérieux que l'alchimie se prend au sérieux, mais tout en étant ludique, et ça, c'est fabuleux. La chaîne YouTube, évidemment, le compte Instagram que vous pouvez retrouver aussi. Tous les liens sont dans la description. Et j'ai même accroché, épinglé dans le chat. Le site internet pour que vous puissiez, parce qu'à partir de là, évidemment, tous les liens vers tous les réseaux sociaux de Didier Stemmer ce soir sont disponibles et mis en avant. On va, pour conclure, peut-être poser cette question. Alors là aussi, c'est pas un postulat, c'est pas non plus la vérité. En tout cas, c'est moi la manière dont j'ai décodé les choses et c'est mon prisme à moi. On verra, je peux avoir tort, hein, effectivement, c'est même très probable. Le mythe est divin. Le mythe est divin parce qu'il a été sacralisé. Le mythe ne change pas, ne bouge pas, est immuable.
Alors que l'histoire est la tentation pour moi, dans le sens presque biblique, mais on va dire luciférien, on va dire de la chose, puisqu'elle est modifiée, à chaque fois changée, tout le contraire en tout cas du mythe. Et il y a eu, à un moment donné, et c'est assez curieux, le mythe a fait place à l'histoire et s'est arrêté au moment du mythe d'Ariane. Suivre le fil d'Ariane, c'est ça. À partir d'Ariane, les mythes ont cessé d'être des mythes pour devenir de l'histoire. Je ne sais pas exactement ce qui a changé et pourquoi il y a une sorte de possession, de réécriture de notre histoire, de l'humanité, parce que le mythe émerveille, le mythe initie, hein, nous apprend, alors que l'histoire, bah, ma foi, si elle nous apprend une vérité sous le prisme d'un gouvernement, on sait très bien que les histoires sont écrites par les vainqueurs, ce qui n'était pas le cas Exactement. des mythes. Il y avait quelque chose de très très différent, parce qu'il y avait au moins ce respect des vainqueurs et des vaincus, de respecter ce qui était, ce qui s'était passé, même si c'était édulcoré. Alors effectivement, on pourrait dire que Œdipe, par exemple, si vous lisez le mythe d'Œdipe qui se faisait, je crois, dévorer le foie, tous les jours, il revivait cette souffrance, et Dieu le maintenait en vie, Zeus en tout cas, le dieu Zeus le maintenait Prométhée en vie. aussi, hein. Ah oui, aussi, entre autres, oui, exact. Et c'est pour ça la confusion tout à l'heure avec Hermès par rapport à Arcule, qui lui est un demi-dieu, puisque Zeus est tombé amoureux d'une humaine. Oui, Hein. oui, En passage, j'avais ça. oui. C'est Tout à pour ça que fait. j'avais bugué tout à l'heure. Je m'étais emmêlé les pinceaux. Mais suivre le fil d'Ariane. Alors, es-tu d'accord avec ce concept que le mythe est divin parce qu'il est sacré et l'histoire a quelque chose de manipulable et de la manipulation comme le veut l'autre partie? C'est assez. Je suis plus. Voilà, je préfère. Le divin et le sacré du mythe, que l'histoire qui peut être manipulable et changeante selon les époques, avec une lecture totalement différente. Ça me dérange beaucoup. L'histoire, elle est pervertissable par nature, par l'ego. L'ego, c'est quand même le pourvoyeur principal de karma, hein, c'est ce que nous enseigne le bouddhisme, hein. Donc, en fait, à partir du moment où on va raconter une histoire dans le fruit de la subjectivité égotique, il y aura forcément des déformations. Et j'avais mis le doigt, comme tu l'as compris, je suis un amoureux des mots et de leur sens et des étymologies, et j'avais trouvé, en fait, un truc assez intéressant, c'est qu'il était dit que le mythos, les mythes, étaient compréhensibles et entendables entre initiés. C'est-à-dire que quand des habitants de la cité entre initiés échangeaient, le mythos avait pour valeur, pour vertu de logos, c'est-à-dire de raison et de vérité. Mais quand ça touchait, on va dire, l'oreille profane, ça devenait un mythos au sens aujourd'hui comme on le connaît, la mythomanie, c'est-à-dire une fabulation. Et c'est là où finalement le mythe, alors il est toujours présent. À nouveau, il n'est pas présent, il est retourné dans l'inconscient pour ainsi dire. Mais il n'est et les mythes sont omniprésents. Il y a un mythe qui est, voilà, on parlait des séries américaines, ce que tu veux. Le mythe du héros a toujours été présent. Quand il n'y avait pas des films de super-héros, il y avait des films de flics, il y avait des films de cow-boys. C'est vieux comme le monde. Sinon, c'était des péplums. Donc il y a une multitude de mythes qui sont encore présents dans l'inconscient collectif. Et puisque ils passent en arrière-plan dans l'inconscient, ils ont plus de nocivité. Ça, c'est vrai. On observe aussi la réalité, par exemple, tu sais, par rapport à la religion catholique, où finalement il y a qu'une seule représentation, on va dire positive féminine, c'est la Sainte Vierge Marie. Mais l'équivalent de Lilith n'y paraît à aucun moment, si ce n'est après dans la Genèse, plus loin derrière. Et chez les protestants, c'est pire, parce que la figure, l'image féminine a complètement disparu, elle est retournée dans l'inconscient collectif. Et donc, quand c'est inconscientisé, ça a plus de force. Récemment, quand je me baladais sur les réseaux, j'avais vu une femme qui disait un truc assez intéressant, qui disait, c'est ceux qui ne croient pas en l'astrologie qui sont les plus grosses caricatures de leur signe. Puisque naturellement, tu vois, comme ils J'adore ont la aucune formule. conscience de ça, et c'est tellement ça, tu comprends? C'est tellement ça. C'est vrai, c'est vrai. Et ça parle parce qu'effectivement, quand on dit que quelque chose n'existe, ça prouve la puissance du déni parce que l'inconscient, il va fonctionner Exact. par refoulement et par compensation. Donc quand une personne dit ça n'existe pas, ou pire encore, elle a une affirmation égotique, ah ben, je te raconte pas comment l'inconscient, il va compenser. Et donc c'est très intéressant de voir comment la mécanique humaine, elle va officier en ce sens. Donc les mythes sont toujours présents. Petite aussi,
Petite anecdote qui va te parler dans ce sens aussi. Hier, je regardais l'émission de, je sais plus comment elle s'appelle, de Pascal Clark sur Canal+, avec Guillaume Gallienne. Et à un moment donné, il y a juste un vieux passage qui était génial, où elle lui parle de manger ses émotions. Et le gars, il beugle comme ça, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais je connais pas ça. Et donc, elle développe, elle dit, bah oui, compensation alimentaire. Et là, elle dit, ah, mais je suis un spécialiste de ça, moi, je fais tout le temps ça. Et c'était tellement parlant, tu comprends, par rapport à la conscientisation, C'est tu vrai, vois? c'est vrai, c'est vrai. Mais de Et c'est sa une faiblesse, belle, il en tu a vois, fait une c'est... force. Il en a fait une force. Il a Tout à connu fait, la mais chose. ça prouve quand même que tu vois que Ouais. l'ombre, entre guillemets, alors quand je dis le mal, c'est pas le mal ontologique, c'est le Oui. mal de ce qui nous est subjectif. Il y a les deux dans l'inconscient, hein, comme il y a une part collective, une part individuelle. Hein. Mais tout ce qu'on va refouler avec force, ça aura plus d'emprise. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette dynamique de conscientiser les contenus inconscients, comme le disait Jung, comme aussi le prônaient les alchimistes spirituels de l'époque de zeusisme, à savoir qu'il est question de prendre conscience. Et prendre conscience, c'est dire, ah ouais, mais en fait, tu sais, quand on fait des choses compulsivement, mais des fois, ça peut être n'importe quoi, c'est juste avoir le pied qui bouge par nervosité, une compensation, machin, ça peut être aussi évidemment du grignotage, ça peut être le fait d'avoir des espèces de routines pour évacuer notre stress, pour évacuer les ressentiments, parce que on l'a juste pas conscientisé. L'idée, c'est de refaire corps avec ça. C'est de se réaccaparer finalement ces parts en souffrance de nous-mêmes. C'est aussi pour ça que les chamans font du recouvrement d'âme. C'est parce que les traumatismes vont nous diviser, vont nous faire perdre des parcelles d'âme, des parcelles de conscience que nous gagnerons à récupérer, à pacifier pour retrouver le sentiment d'unité. Mais voilà, effectivement, il est question, que ce soit collectivement ou individuellement, ou pour les mythes ou non, de toujours plus conscientiser. Donc tu vois, on peut beaucoup plus facilement encore, par exemple, l'appliquer en astrologie, quand on commence à s'y intéresser, grand classique, de dire, ah bah tiens, je suis tel et tel signe solaire, tel et tel ascendant. Ah bah tiens, tu vois, quand je suis maniaque, je suis dans le signe de la Vierge. Ah bah tu vois, quand je suis excessif, je suis Sagittaire. Ah bah tu vois, je suis dans la destruction, je suis Scorpion. Et au fur et à mesure, en conscientisant, on arrive à mettre de la distance avec cette énergie, cet archétype, cet égrégore. Et du coup, il n'a plus la même incidence sur nous. Parce que quand on est identifié à lui, on peut pas réussir à se défaire de Non, l'étreinte. On on peut fait plus corps renier. Une avec. fois qu'on a vu, c'est difficile d'être aveugle, de se mettre des œillères, hein. C'est compliqué, hein. En effet. C'est ça. Après, tu sais, il y a des gens qui sont libres de retourner aussi dans l'inconscient, hein. Il y a des personnes, des fois, qui ont des prises de conscience, j'en ai vu quelques-unes, et qui continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était, parce que c'est trop cap. Et c'est sage aussi juste pour eux, tu sais, parce que quand Oui, la parce que personne l'effort consciemment est parfaite. consenti est trop, et c'est trop leur demander, tout à fait. Oui, je comprends. Et on joue pas avec l'inconscient. L'inconscient, c'est vraiment le facteur X, c'est vraiment la variable aléatoire. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut composer en thérapie. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire remonter des couches profondes de l'inconscient, et c'est tout à fait entendable. Oui, Il faut, elle ne veut pas tu sais, encore ouvrir le l'inconscient, c'est pas dossier. quelque chose de Trop sensible. confort. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose de confortable. C'est pas, comme tu disais, on va pas mettre Netflix, se mettre les fesses dans le canapé, pas trop désagréable, pas trop cher, rapide, sans souffrance. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. On va passer par des hauts, des bas. On va être ballotté par l'inconscient. Je pense encore à une consultante il y a quelques mois qui me disait, ah, je sais pas trop si le son m'a fait du bien, j'ai fait des cauchemars. J'ai dit, mais parfait, très bien, parlons-en. Tu vois? Parce que, bah oui. Et c'est pas Oui, masochiste que je dis ça, c'est bien qu'on en a sûr, bien sûr. conscience. Hein, quand... Maintenant, c'est vrai que sur le Voyez, coup, voyez c'est comme pas il est agréable d'être sadique quand même. Non, je plaisante. Ben disons Non. que j'essaie d'être en paix avec l'ombre, tu sais, moi j'ai vraiment. C'est pour ça que dans le livre, on parle de la souffrance, du rôle de la souffrance, du mal, de l'ombre, tout ça, de la maladie, de la mort, pour les démystifier. Bien Parce que sûr. ces ombres-là, elles ont de l'emprise sur nous parce qu'on en ignore l'essentiel. C'est vrai. Et à partir du moment où on comprend la place de telle et telle chose sur Terre, on n'en a déjà plus peur parce qu'on est familier, parce qu'on a compris sa fonction. On n'est plus dans une espèce d'appréhension irrationnelle, tu vois. Et le problème, c'est que quand on est face à l'irrationnel, autant je te disais avant qu'il faut un prisme irrationnel pour le comprendre, mais il faut aussi un prisme rationnel pour rester dans une forme Oui, de faut ce sérénité. juste milieu-là. Mais justement, l'ignorance de ce que l'on ignore nous fait peur. C'est aussi le problème de l'immigration. On ne connaît pas l'autre, hein, donc on a peur, donc on n'en veut pas, hein, Et pour c'est ceux qui ça, et sont du cons. racisme. C'est ça, c'est le Il y a, problème, il y c'est avait la encore parlé, tu sais, de non-connaissance. l'homme et de la femme. L'homme et la femme, aujourd'hui, en gros, on pourrait résumer à l'homme, il gagne à apprendre à croire, et la femme, elle gagne à apprendre à douter. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, il y avait un couple qui avait des grosses manifestations d'esprit dans la maison, des poltergeists, littéralement. T'avais des étagères qui se cassaient la gueule, ce genre de truc. Et elle était
dans une psychose, dans une panique incroyable, parce que évidemment qu'elle réalisait ce qui s'y passait. Et son mari, c'était impressionnant parce qu'en fait, il continuait de dire, oh, c'était peut-être l'étagère qui était mal fixée, mais c'était vachement beau parce qu'il l'équilibrait. Donc le fait de ne pas croire, ça permet aussi de s'en prémunir. Hein. Si je ne crois pas aux entités du bas astral, eh ben, je peux te garantir qu'elles auront beaucoup moins d'influence que si j'ai les Ah oui, pétoches quand je vais me coucher le soir des parce fois que ça j'ai regardé suffit à une série nettoyer, un peu hein. lourde. Ne pas y croire, ça suffit à nettoyer. Et il y a des gens qui Il y sont a quelqu'un. inatteignables comme ça, inattaquables, parce que Il y a un peu de ça. il y a cette foi à la non-croyance à ça. C'est curieux, hein. Mais voilà, Mais c'est en bon. fait, c'est ça la quadrature du cercle. Il y a des avantages et des inconvénients en toute chose. Oui. Ne pas croire une chose, ça la rend inexistante, etc. Les gens qui, par exemple, à nouveau, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne croient pas en Dieu, ne croient pas en la vie après la mort, en la réincarnation ou en l'âme, eh bien, ils vont en faire un déni. Mais c'est là où c'est dangereux. Parce que, tu vois, on n'a pas trop parlé de langue des oiseaux, mais tu vois, le plus connu en langue des oiseaux, c'est le mal a dit pour la maladie. Mais ce qui est moins connu, c'est quand on lit maladie dans le sens inverse, phonétiquement, ça fait aide à l'âme. Ah, pas Et donc, mal. littéralement, c'est comme si tu avais un remède, un mal et un remède qui vient. Et ben, pour l'âme, c'est pareil. Parce que l'âme, si tu lis dans l'autre sens, ça fait mal. Oui, exact. Et donc, et c'était un grand enseignant essénien qui est aujourd'hui décédé, c'était Olivier Manitara, qui, j'en ai repris le passage dans le livre, qui disait comment on reconnaît les gens qui sont dans la congrégation du bien, c'est des gens qui sont à reliance à l'âme, à savoir à l'enfant, à la femme, aux animaux, aux végétaux. Et comment on reconnaît les gens qui sont dans la congrégation du mal, c'est les gens qui sont dans le déni de toute cette réalité-là. Merci infiniment pour cette soirée d'enseignement aussi, parce que voilà, si vous voulez aller plus loin, c'est ce livre. Et tous les liens sont dans la description, y compris pour le commander, y compris voilà. Je sais pas où est-ce que tu es, où est-ce que tu te situes en France? Pas loin de Strasbourg, dans l'Est. D'accord. Donc tu consultes en cabinet et qu'à distance exclusivement? Oui, après, s'il y a des gens qui sont dans le Giron, et c'est toujours plus sympa en présentiel, mais Et faut en plus, tu savoir pourras que ça dédicacer fait le 10 ans livre, que c'est je... pas mal. Non, dédicacé, je leur envoie. Alors, tous les livres que j'envoie qui sont commandés sont dédicacés, hein, depuis le début, hein. Ah, d'accord. Bon, tant Voilà. mieux, Mais d'accord. c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable de recevoir une séance qui va pouvoir, des fois, un peu nous balloter. Depuis le confort de chez soi, tu vois, que de Oui. devoir faire peut-être 1 heure de voiture en rentrant. C'est vrai, c'est Donc vrai, voilà, c'est vrai. il y a vraiment ce côté confortable qui offre pas mal d'avantages et qui n'enlève en rien, on va dire, sur l'efficacité. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette émission. J'ai eu beaucoup de plaisir Ah ben moi, à la plaisir faire avec partagé toi. aussi. Bah, c'est trop vite. J'ai déjà fini. Ben, ça fait plus de 2 heures qu'on est ensemble et je vous invite à vous Exact. connecter pour prolonger le plaisir et puis à vous commander le livre d'urgence. Vous voyez, on a une librairie Curious Apprentice, etc. C'est pas en vente chez nous. Donc vous voyez, j'ai vraiment aucun intérêt personnel ni financier à le promotionner plus que ça. Et pourtant, je vais le lire vraiment. Et qu'à partir de fin de semaine, je rage par rapport à ça, mais c'est pas grave. Le plaisir n'en sera que plus grand, toujours pareil. Hein. Juste l'extrait que je veux dire, maladroitement lu tout à l'heure avec quelques anicroches, Parfait. parce que j'ai pas mis mes lunettes, mais malgré tout, ne perd rien en plus d'avoir accroché la beauté du texte. Donc même en le lisant mal, en accrochant les mots, ça reste beau. J'ose à peine imaginer le reste du livre. Donc c'est formidable. Et si tu as mis 10 ans à l'écrire et à le réaliser, on peut parler plus que d'un livre. Et c'est là où le mot ouvrage prend toute sa dimension, en tout cas. C'est pas un livre, c'est un ouvrage. Et je fais bien la différence, la distinction entre les deux. Parce qu'il y a beaucoup trop de livres aujourd'hui et peu d'ouvrages. Sachez-le. Merci beaucoup Didier. Oui. Voilà. Tout Merci comme on à toi. préfère œuvrer à travailler, merci Luc Bigé, parce que travailler renvoie à des notions de souffrance. Hein. Oui, C'était un c'est vrai, instrument trépas trop l'homme, ouais. de torture. Alors que œuvrer, c'est beaucoup plus noble. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est pour ça. Merci à toi, bonne soirée à tous, tous les liens sont dans la Merci description. Didier. Prolongez le plaisir avec le livre, je vous le conseille, en tout cas moi c'est déjà fait parce que je l'ai. Tous les livres, et c'est important, sont dédicacés, si vous le commandez sur son site, ils seront envoyés avec une dédicace. Et moi pareil, ça m'a touché. La dédicace est courte, simple, mais profonde aussi dans les peu de mots qu'il a mis. Ça reste pour moi. Merci à toi, merci à lui, merci à vous, merci à l'univers. Au revoir, bonne soirée à tous.